When I call your name, you will come forth. I shall place the salty hat on your head, and you will be sorted into your houses. Is levitation, the ability to make objects fly. Wingardium Leviosa. You're going to take someone's eye out. It's Leviosa. Pier Totum Locomotor. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je vous ai un petit peu laissé attendre sur l'écran de chargement. J'étais pas devant l'ordinateur, j'étais en train de faire mon petit shaker et donc du coup j'ai totalement zappé que j'avais lancé le chargement du stream. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Bon, au niveau du travail, ça a été, en vrai, j'ai pas trop vu le temps passer. Étant donné que toute la masse de travail que j'ai à faire tout seul, j'avoue, c'est... C'est joie et volupté. Du coup, on se retrouve ce soir pour du Animal Crossing. On va récupérer ce maudit scarabée Hercule. Je crois que c'est celui-là qui nous manque. Du coup, on va essayer de le choper. Alors, je crois que je vais devoir faire un petit peu de time travel parce qu'il me semble que c'est tard la nuit qu'on doit le choper. Donc, au pire, on le fera. Déjà, dans un premier temps, on va d'abord faire comme d'habitude notre petite routine sur Animal Crossing. On va récupérer ce qu'on a à récupérer sur l'île, etc. Et puis bah, après, on passera du coup sur la recherche de ce scarabée de la mort. On va éclater une île et on va essayer de récupérer uniquement des palmiers pour essayer de favoriser le taux de spawn de ce maudit insecte. Je vais déjà commencer par vous dire bonjour, donc coucou Miss, coucou Amour, coucou Serenity, coucou Hello et merci à toi pour ton 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Hop. Hop, voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le jeu. Puis après, on va continuer à discuter. Est-ce que j'ai des petits trucs à vous dire? Alors si, je vous rappelle juste que je ne serai pas en stream vendredi, samedi, dimanche, exceptionnellement, puisque je serai à Nantes. Je vais faire quelques petites stories. Je vais retrouver des amis que je n'ai pas vus depuis littéralement mon anniversaire du mois de novembre. Donc pour vous dire que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de stream, malheureusement, vendredi et dimanche. C'est dommage parce que je vous avais normalement prévu des sacrés trucs à vous montrer. Soyez bien là sur TikTok, je vous le dis tout de suite. Soyez bien présents sur TikTok parce que vendredi, samedi, dimanche, vous aurez du contenu exclusif sur la chaîne, je n'en dis pas plus. Mais sachez que vous aurez du contenu, je ne pourrai pas le faire en stream, mais sachez que ce sera sur TikTok. Ça y est, ils m'ont enfin changé le compteur de gaz aujourd'hui, ils sont venus vers 8h15. Bah, trop bien, bon bah au moins ça c'est une bonne chose de fait. D'ailleurs, j'ai une to-do list, parce que je vous avais dit la to-do list qui était énorme sur mon téléphone. Je l'ai presque fini. Il me reste que 2 points sur ma to-do list. Mais bon, j'ai presque fini. Vraiment, j'aurais dû faire ça il y a très longtemps. Je pense que je vais même m'acheter me télécharger une appli, parce que là j'ai l'application Note classique, mais il me faut un truc beaucoup plus classifié, parce que j'ai trop de choses. Mais d'ailleurs, Amour, j'ai envoyé là aujourd'hui, j'ai envoyé les boissons au lit que j'avais fait remporter sur un giveaway. Donc ça, je les ai fait partir aujourd'hui. Normalement, ça devrait être reçu. On est mercredi, peut-être samedi, sinon lundi. Donc voilà. Oh! Pourquoi j'ai ce petit bruit de la Switch. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur le jeu et après, on va continuer à discuter comme d'habitude. Voilà. Où suis-je? Là, on démarre le live sur TikTok également. Parfait. Je vais un peu reculer le micro. Voilà. Et on va
faire un petit peu d'Animal Crossing. Alors, techniquement, on est retourné à l'heure habituelle. Faut juste que je regarde ce je ne sais plus. Alors. Insecte Animal Crossing. Et coucou Amandine, comment ça va? Tout va bien. Alors, insecte actuellement, faut que je me connecte. Comme ça, ça enlèvera les trucs que j'ai déjà. Yes. Ah bien, bah, tant mieux. Ok, pas de soucis. Enfin, la poste chez moi, on peut compter semaine prochaine. Ok. Ok, ok, bah j'avoue, j'ai pas eu le temps là, j'ai été pris cette semaine. Mais là, c'est bon. C'est bon. Je commence à en voir le bout. J'ai pas encore commencé mon sac parce que je pars vendredi après le boulot. J'ai mon train, il est à 18h, je crois. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu ma petite boisson au lit là. Petite boisson thé noir citron miel. Oh, par contre, j'aurais dû mettre des glaçons. Là, ça va être la période où il va falloir mettre les glaçons. Alors, au niveau des créatures que je peux choper en insectes, alors le scarabée, je peux pas encore. Si, le scarabée Hercule, depuis 17h. Donc on peut déjà commencer à le faire. Parce que là, il nous reste le scorpion, le scarabée Hercule, il nous reste la mouche à choper, mais à chaque fois, on n'y arrive pas. La fourmi, pareil. Mais en fait, il faut que j'ai des navets pourris, il faudrait que j'en achète. Et aujourd'hui, vous voyez la petite Mirza qui a une tenue. Pourquoi elle a une tenue de... Pourquoi elle a une tenue de sorcier? C'est moi qui... What? Parce que normalement, les tenues, c'est celles qu'elles achètent dans les tenues personnalisées qu'on fait dans la boutique des sortes d'oies de fées. Sauf que dans cette boutique-là, j'ai encore rien fait. C'est bizarre. Mais tu te tracasses pas, hein? Tu fais comme tu peux avec les gueules. Bah là, j'avoue, cette semaine, j'ai eu pas mal de choses à faire. J'avoue, ça a été compliqué. Un problème sur la plage, ouais, les coquillages estivaux, on sait déjà ça. J'aime bien, si j'aime le framboise bleu, je prendrai sur Oli. Alors, sache que le framboise bleu que tu as, Amour, est une édition collector limitée qui n'est déjà plus en vente. Donc tu as en fait, littéralement, un des... Hein ? Mais pourquoi il a fait ça ? Je suis pas sur la bonne Switch. les gens. Attendez, je reviens. J'ai pas pris la bonne Switch. Merde, c'est mon autre partie. Je me demandais, mais tiens, c'est bizarre, c'est pas ma maison. Attendez, je reviens. Merci. Je me disais c'était bizarre. Bah oui, bah tu m'étonnes que ce soit bizarre. En plus, comme c'était sur la mairie, j'avoue, j'ai pas tilté. Toi, Mirza, je l'ai aussi sur mon île perso. J'ai pas tilté. Attendez, faut que je change mes manettes. Changer l'ordre. Parce que je vais jouer avec la manette pro. Hop, attends, c'est toujours un micmac de reconnecter la manette. Non mais quel boulet, vraiment je suis un boulet. Et coucou Cam, coucou Nebula également, comment ça va? Ah vraiment, boulet Mister C quoi. Alors le problème c'est cliquer sur ce machin de la mort là. En toi la Switch là. Hop. Yes, paye. Si avec ça. Bien toi, bah, écoute ça va, petit fail en ce début de partie puisque j'ai lancé la mauvaise Switch. J'avais oublié. Et coucou à ceux qui nous rejoignent sur TikTok également. Mais quel boulet. Voilà. C'était un fail. C'était un fail du début de partie. J'arrive sur ce moment, c'était drôle. Bah tu m'étonnes. C'est ça le problème d'avoir deux Switch. En plus, comme j'ai inversé les Joy-Con en plus. Là, on va pas se mentir. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que ces Joy-Con là, c'est pas les plus beaux de la Switch? Ils sont trop beaux. Moi, c'est mes préférés. Alors, j'ai aussi les Joy-Con du coup de la Switch Animal Crossing qui sont très beaux. Hein. Mais je sais pas. Hein. Mais moi, je trouve qu'ils ont une vibe automnale. Le violet, le jaune, là, c'est orange en vrai. Ils sont trop beaux. Vraiment. C'est mes Joy-Con préférés. Quand j'ai vu qu'ils étaient enfin disponibles dans le magasin côté de chez moi, bah, je les ai direct pris. Vraiment, ils sont trop beaux.
On va pouvoir faire ça correctement. Et bonsoir Sandal, comment tu vas? Comment vas-tu? Vibe Daphné Scooby-Doo. Ah oui aussi. Je kiffe les jaunes orangés. Ils sont trop beaux, hein. Moi je les aime trop, c'est mes préférés. Là, quand la Switch 2 elle va être annoncée l'année prochaine, enfin, à mon avis, elle va être annoncée fin d'année, mais quand elle va être annoncée, j'espère qu'ils vont refaire cette couleur-là. Hein. Parce que vraiment, la violette et la orange, elles sont trop belles et elles sont difficilement trouvables en plus. Merci Eden pour le follow, merci beaucoup. Merci, merci. Bah, en fait, en Joy-Con, j'ai ceux-là, j'ai bah, les Joy-Con de la Switch Animal Crossing Collector, j'ai les Joy-Con rouges couleur casquette de Mario et j'ai les Joy-Con jaune fluo. Aussi. Et la manette pro. Manette pro, s'il vous plaît, Smash Bros. Voilà, collector. Voilà. Regarde, c'est échoué sur le rivage, très bien. Et merci pour les gemmes sur TikTok, merci beaucoup. Mais bah après, les Joy-Con, ça coûte la peau du cul. Mais en fait, mes jaunes, ils ont le Joy-Con Rift. Ceux du... Les jaunes, ouais. Les jaunes longs, le rouge aussi. Il n'y a que ceux-là et ceux d'Animal Crossing qui ne l'ont pas. Et ma manette pro. Hop. Et coucou Sorana, comment tu vas? J'ai jamais vu les jaunes. Et ils sont beaux, hein. Vraiment, moi, c'est mes préférés. Je cherchais un live pour me poser, ça a l'air chill ici, heureux d'être là. Bah écoute, ravi de te voir par ici. Ici, en effet, tu t'es pas trop trompé, c'est très chill, tranquille. On est sur du Animal Crossing, mais quoi les jeux qu'on fasse, on fait aussi du Sims, de la construction. C'est toujours chill, tranquille, on met de la musique, on discute. Bon après, là c'est chill, à tout moment je m'énerve. Parce que là, l'objectif ce soir, c'est récupérer le Scarabée Goliath. Au dernier stream, on a mis quoi, une heure à le chercher. On l'a pas trouvé. À la fin du stream, je cours. Parce que j'allais finir le stream, je cours. Le Scarabée Goliath était collé à un arbre, il s'envole. Du coup, je prends le seum, je continue un peu le stream. Et là, je redis, bon, bah c'est bon, c'est fini. Je cours. Il y a un deuxième Scarabée Goliath qui pop et qui s'envole. J'estime qu'il y a eu un affront. Il y a eu un affront. Et donc là, ce soir, ça doit être remédié. Tout le monde va bien con voler la caméra. J'avoue que ce soir, on va... Ça va être chill, mais bon. Ah, il y a un moustique. On va le capturer tout de suite avant qu'il me pique. Alors, vous voyez que je suis toujours aussi doué pour les capturer. Voilà. Leitmotiv du stream, arrête de courir. Mais je peux pas arrêter de courir. On va essayer de... Merde. On va essayer de choper aussi le scorpion. C'est la dernière fois, il y a eu un bug. Et le scorpion, il a pas... En fait, il était bloqué, le scorpion l'a disparu. Petite pelle. C'est vraiment de quoi s'énerver alors que Rageux sur Animal Crossing, c'est pas ça. Bah, en fait, le Scarabée Goliath, il est super rare. Donc, vraiment, j'avais trop le seum. Bah, non, le Scarabée Goliath est un des scarabées les plus rares de tout le jeu. Donc, il est long. En plus, j'avais fait toute une technique pour optimiser le temps pour l'avoir. Au final, je me suis fait niquer. Attendez, on va récupérer tout ça. On fait d'abord la petite routine avant d'essayer de le capturer. Attendez, je me suis pas mis en plein écran. Oh, en plus, ça fait du bien. J'ai mis le logiciel qui me permet de capturer ma Switch sur mon PC. Je l'ai mis à jour, là, il y a une petite mise à jour et il est encore plus fluide. Je n'ai pas l'univers Animal Crossing, ça a l'air cool. Alors Animal Crossing, c'est le jeu chill par excellence. Animal Crossing, c'est littéralement un jeu où tu crées ta petite bulle de vie. C'est ça que j'aime bien dire. Vraiment, c'est la petite bulle de vie Animal Crossing. Au début, tu commences sur une île déserte, t'as deux habitants, tu vis dans une tente. Et plus tu avances dans la partie, plus tu vas débloquer de nouvelles choses, plus des nouveaux habitants vont venir. Tu vas pouvoir terraformer, décorer, avoir une maison, décorer ta maison. Vraiment, c'est le jeu parfait, je trouve. En plus, il y a plusieurs saisons, ça se base sur le temps réel. Genre là, tu vois, par exemple, il est... Bon, il est pas tout à fait l'heure réelle, sur ma Switch, c'est pas à l'heure. Mais il est 19h45, tu vois, il est vraiment 19h45. On est pas vendredi 19 juillet, parce que j'ai avancé l'heure, mais techniquement, en fait, t'es à l'heure du jour. Donc, c'est-à-dire que quand t'es en hiver dans la vraie vie, bah, c'est l'hiver également dans le jeu. Tu cherches quoi? Je cherche le Scarabée Goliath.
Non, pas Goliath. Je cherche le scarabée, pardon. Hercule, moi. Goliath, j'ai déjà. Merci à tous ceux qui rejoignent le live et qui follow également sur TikTok. Merci beaucoup. J'ai eu un paquet en cherchant un autre, comme quoi le jeu nous en veut. C'est ça. Et coucou Anne, comment tu vas? Et merci. Merci à toi pour le follow. Merci beaucoup. Il ressemble à quoi? Il ressemble. En fait, il a la base jaune. Ah, il est jaune comme le Joy-Con que je vous ai montré tout à l'heure. Et il a une tête un peu avec une trompe. Et il est collé sur un. Toujours sur un palmier. Oui, pardon. Oui, je confondu. J'ai dit Goliath. Mais non, c'est pas Goliath, c'est Hercule. Non, Goliath, on l'a déjà eu plusieurs fois. T'es tranquille, et toi? Bah écoute, moi aussi. Hop là. Je l'ai. Bah en fait, sur mon autre partie, moi j'ai fini le musée à 100%, donc j'ai capturé tous les insectes, les poissons et tout. Et là, j'avoue, sur celui-là, je l'ai pas. Sympa. Rentre et sort d'une maison, sinon. Oui, au pire, mais j'ai une autre technique. En fait, faut aller sur une île, genre avec des Tinook Miles. Le mieux. Ah oui, j'ai plus de place. Bah, relâche la proie. Le mieux. Au niveau des îles Tinook Miles, c'est d'avoir une île au bambou. Tu défonces l'île, tu enlèves toutes les fleurs, tu enlèves tous les bambous et tu laisses que les palmiers. Vraiment, tu laisses que les palmiers. Du coup, ça veut dire que ça va forcer le pop des créatures uniquement sur les palmiers. Ça va du coup être beaucoup plus rapide. Moi, c'est le Lucan Lamprima. Je crois que je l'ai déjà. Je l'ai eu celui-là, je crois. Le Lucan Lamprima. Ah si, je l'ai eu. Je l'ai eu 2-3 fois. Là, dans la... bah, en faisant ma technique, je l'ai eu 2-3 fois. Alors, acheter des... là. On va se débarrasser de tout ça. Le Remoya, on l'a donné déjà. On vend ça aussi. Ça, c'est quoi? Chapeau tulip patchwork. Parce que c'est... On va pas le vendre au cas où si c'est rare. Mais tout ça, on vend. Avoir des scorpions sur l'île aussi. Aussi, ouais. Bah, la dernière fois, quand on avait lancé le stream sur Animal Crossing, on a un scorpion qui a popé à côté d'un pont. Mais en fait, il a bugué et il pouvait plus bouger. Le scorpion, j'ai couru à côté de lui, il m'a pas vu. Et en fait, il a couru dans le sens opposé et il s'est bloqué dans le pont. Et quand j'ai voulu l'attraper, en fait, il a disparu. Oh, mais en bibliothèque, c'est bien ça. Ok. Ça fait un peu de place, c'est bien. Par contre... Oh, le boulet. Toi, tu vas aller là? Parfait. Non, il est vide, mais le fond, c'est des fleurs et le bord, c'est vide. Mais je me fais attaquer sur mon île. Ah ouais? Ok. Bah après, oui, je crois que tu peux l'avoir après n'importe où. Hein. J'y ai passé des soirées dans la semaine, là. Pourtant, j'y suis allé sur des îles mystères et je les ai détruites et j'ai eu un max de scarabées, sauf celui souhaité. C'est ça. Après, alors, la communauté Animal Crossing est un peu divisée avec ça. Il faut savoir que dans le guide officiel, il est clairement dit qu'il y a un taux de pop. En gros, pour que certains scarabées apparaissent, il faut avoir capturé dans la même session journalière de jeu, sans insectes dans la journée, pour pouvoir faire apparaître certains types de scarabées. Et il s'avère que je trouve que c'est relativement le cas. Moi, à chaque fois que j'ai cherché le scarabée, notamment Hercule, je ne le trouvais pas. Et quand j'ai commencé à capturer plein d'autres insectes et que j'ai dépassé la barre des 100, mystérieusement, eh ben, il commençait à apparaître. Et c'est le cas pour certains poissons aussi. Il y a certains poissons, ils n'apparaissent pas tant que vous n'avez pas capturé 100 poissons au préalable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à apparaître. Et je sais qu'il y a des gens dans le guide d'Animal Crossing qui disent que non, c'est pas vrai, c'est une fausse stat et tout. Mais dans le guide officiel, ils en parlent. Donc c'est pour ça. Et ça, ça a toujours été une stat qui a toujours existé dans tout l'Animal Crossing. Parce que, en fait, les poissons, bah, tu pêches automatiquement ce que tu trouves. Au niveau de la taille, par exemple. Par contre, les insectes, quand tu sais pas ce que tu veux, bah, tu le captures pas, tu le fais s'enfuir. Sauf que, bah, en fait, en faisant ça, tu fais pas le taux de pop à 100 insectes. Alors. Il y a quoi ici? Déjà, on va récupérer ça. On va déraciner les palmiers. S'il va nous les falloir. Raton laveur. Quoi? Raton laveur? Si, je me souviens ce que c'est. Je savais pas, ça, ça me paraît beaucoup parce que Hercule, je le vois rapidement, je trouve. Je vois pas ça.
pop avant. Peut-être qu'ils peuvent pop avant, mais en fait, je sais que dans le guide officiel, ils disent que le taux de pop, par exemple pour le Scarabée Hercule, eh ben, c'est à 100. Donc c'est pour ça, je sais pas. Pourquoi je suis allé là? Ah oui, craft. Fait quand des lives sur les Sims? Le mardi, le jeudi et le dimanche. Voilà. Le vendredi, c'est Star du Valais. Hop là. Il y a quoi ici? Oh, j'ai cru que c'était le scarabée qu'il me fallait, mais non, c'est pas lui. Mince. Bon, encore une fois, on est un peu tombé sur une île éclatée au sol. Hein. Les oranges, c'est mes fruits de base de mon île. Donc, si, on va quand même les récupérer pour faire les Nook Miles. Pour les vendre. Oh, 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 mais on l'avait pas, lui. Tu as pris un tilapia. Mais parfait, attendez, on a capturé un tilapia, je l'avais pas. Alors, bah, tilapia. J'ai masse poissons que j'ai pas chopé encore. Les poissons, je vais devoir faire du time travel. Pour pouvoir les choper. Parce qu'il y en a certains, je les ai pas chopés, ils sont passés. Bayou. Carassin. Bah, comment ça? Le tilapia. Pourquoi il apparaît pas dans ma liste? Quelle heure il est dans le jeu? Ah, vous voyez, l'heure, elle s'affiche pas quand on est là-dessus. J'ai jamais fait gaffe. L'heure et la date ne s'affichent jamais quand vous êtes sur une île d'amiral. Tu as joué aux opus? Oui, je joue à... Je suis un très grand fan d'Animal Crossing. Hein. Je joue à Animal Crossing depuis des années. Je joue à Animal Crossing littéralement depuis l'opus sur DS. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah si, il est là, le tilapia, je viens de le voir. Mon cousin a jeté toutes mes clochettes et mon stock de tarentules et de scorpions que j'ai fermé en un an. Personne ne... Je vais mourir. Règle numéro 1. Ne jamais prêter ses Game Boy, ses consoles, ses Switch, ce que vous voulez. Enfin, ses Game Boy, ça n'existe plus, mais vous avez compris. À ses petits cousins ou à ses petits frères, à ses petites sœurs. Grossière erreur. Quel a été ton préféré? Pour moi, je pense vraiment, moi ça a été Let's Go to the City sur Wii. J'ai des souvenirs avec ma sœur qu'on y jouait tout le temps. Vraiment, j'ai des souvenirs en hiver, pendant Halloween, pendant Noël. Y jouer pour pouvoir faire les sessions et tout, que c'était... Bah, on a toujours remboursé tous les crédits des maisons. Mais dans ce Animal Crossing là, on pouvait enfin avoir sa propre maison. À l'époque, il n'y avait que celui sur DS qui... Ah si, celui sur DS, on partageait une maison. Celui sur GameCube, on ne l'avait jamais eu. Je savais même pas qu'il y avait un Animal Crossing sur GameCube à l'époque. Et du coup, bah, c'était le premier Animal Crossing qu'on pouvait avoir chacun sa maison. Donc ma soeur, c'était toujours un peu micmac parce que ma soeur voulait décorer la maison tout en rose et moi, je voulais pas. Et sur DS, on pouvait pas. Alors que sur Wii, chacun avait sa maison. Du coup, je me souviens que on passait... Moi, j'avais remboursé mon crédit et que je remboursais celui de ma soeur aussi. Je farmais pour elle. Parce que j'adorais farmer les clochettes sur Animal Crossing. Ben, alors, la violence, ça ne résout rien. Hop là. Mince. Un joueur, mais le jeu était vraiment chouette. Si c'était dans mes souvenirs en famille en plus, que c'était que du bonus web. Ouais. Après, j'ai des très très bons souvenirs sur Animal Crossing New Horizon. Même s'il n'est pas parfait, je me souviendrai toujours de la hype quand il a été annoncé, ce que ça m'a procuré. J'ai vraiment eu des retours de souvenirs d'enfance quand il a été annoncé, le Animal Crossing New Horizon. Comme quoi, bah... On allait pouvoir terraformer, qu'on allait pouvoir placer des meubles dehors. Après, le jeu n'est pas parfait, il manque plein de choses, hein, mais je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. Et j'ai passé les 2 mois de confinement, du premier confinement, à jouer à Animal Crossing du matin jusqu'au soir pendant 2 mois. Parce que je travaillais pas, j'étais en chômage partiel. Du coup, je passais mon temps à jouer à Animal Crossing et j'ai des très très bons souvenirs de ça. Et vraiment les commandes à l'aide. Vous voyez ça que sur Wii, les commandes n'étaient pas très... Dans mes souvenirs, c'était un peu chiant. Mince. Et je suis toujours autant traumatisé par Chivava
et pour avoir la hache en or. D'ailleurs, j'ai vu que Cohen, je crois que c'est Cohen qui a joué il y a pas longtemps, je suis sur Wii, et qui littéralement elle a eu très rapidement la hache en or. Ouais, j'avais eu quelques jours de, à l'avance, mais j'ai pas pu jouer car j'étais en BTS Covid et des devoirs de 8h à 20h. Oh ah ouais, moi vraiment je travaillais pas, donc en fait moi je me levais l'été, je me faisais à 9h et j'y jouais jusqu'à 3h du matin. J'avais que 6 heures de sommeil et je faisais ça pendant 2 mois. Avec mes amis, on se mettait sur Discord, je streamais pas à l'époque, et on passait nos journées sur Discord à jouer Animal Crossing. Et en plus, c'était trop stylé parce que à l'époque, quand le jeu est sorti, bah, il n'y avait pas toutes les mises à jour. Donc en fait, par exemple, il n'y avait pas les événements. Et l'événement d'Halloween, il n'y était pas, Noël non plus. Donc en vrai, on a vraiment profité du jeu au jour le jour sans être tenté de faire du time travel parce que ça n'avait aucun intérêt. Tu ne pouvais pas aller faire les événements puisqu'ils n'étaient pas encore dans le jeu. Et les événements arrivaient au moment où l'événement dans la vraie vie arrivait. La plongée, par exemple, on l'a eu que, je crois, après le premier mois de confinement ou peut-être à la sortie du confinement. J'ai un doute. Mais la plongée, on l'a pas eu tout de suite. Il y a plein de trucs comme ça qu'on t'a pas eu tout de suite. Toi, tu as commencé le stream. Bah, en fait, après cette période-là de Covid, j'ai perdu mon travail, licenciement économique. Et puis en plus, j'ai fait un burn-out en prime, donc tant qu'à faire. Et au bout de 3 mois, vraiment, à pas sortir du lit, à être vraiment au fond du trou, et être tout le temps sur Twitch, mais en tant que spectateur et viewer, mes amis n'arrêtaient pas de me dire déjà depuis un bout de temps, déjà depuis le Covid, quand je jouais Animal Crossing toute la journée, me disaient « Mais ça serait faudrait trop que tu te mettes sur Twitch et tout, vraiment, ça va fonctionner, t'as une personnalité qui match et tout, t'es marrant, t'as la chat et tout, ça peut passer. » Et moi je te dis non, moi je suis quelqu'un qui de base est très timide, faut le savoir, aujourd'hui c'est un peu passé, mais je suis quelqu'un de base qui est très timide, qui déteste l'image que je donne à une caméra, et en plus de ça, je déteste le son de ma voix et de me voir à travers une caméra. C'est bon, je l'avais déjà. Donc clairement, tout streamer c'était pas pour moi. Mais finalement, mes amis me disent mais si, faut que tu le fasses et tout. Le mois de janvier arrive. Et je me dis, il faut que je sorte de cette spirale infernale pour, voilà. Et merci beaucoup, Stellarium, pour le follow. Et du coup, je me dis, ok, d'accord, je vais lancer un stream, comme ça, ça m'occupera la journée, ça me donnerait une routine, sortir du lit, etc. Parce qu'à l'époque, trouver du travail, à ce moment-là, on venait de sortir du deuxième confinement à cette époque-là, impossible. Genre, personne ne cherchait, enfin, aucune société voulait embaucher, bref. Du coup, bah, c'est comme ça que je me suis lancé. Je me suis lancé totalement en fait pour occuper mes journées sans aucune pensée qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait venir sur mes streams. Et au final, bah, ça a marché assez au tout début. Ça a marché dès le début, entre guillemets, j'ai eu du monde. Et puis bah voilà, puis bah, me voilà 3 ans et demi après, partenaire. voilà. Et coucou sur TikTok, coucou Anaïl. Bonjour, moi aussi je déteste ma voix en vidéo. Bah pareil, mais maintenant ça va un petit peu mieux. Ils ont eu le nez fin, ouais. Je devais changer de deal, mais elle est vraiment éclataxe. J'essaie de changer de deal. Je crois que c'était en juillet. Il me semble aussi que c'était en juillet, ouais. Mais voilà. Un petit peu le pourquoi du comment je me suis lancé sur Twitch. Et c'est pour ça que du coup, c'est une de mes amies, elle, s'est lancée sur Twitch. Et peut-être que vous la connaissez. Mon ami Evan Fox s'est lancé sur Twitch. Enfin, s'est relancé en réalité. Sur Twitch au mois. Bah, pendant le Covid. Justement, elle avait commencé GTA RP et bah, du coup elle est devenue très connue avec GTA RP maintenant. Et merci beaucoup Nesquik pour le follow. Ok, d'accord, excuse-moi, mais c'est vrai que sur Twitch, enfin sur TikTok, j'ai tendance à moins regarder le chat parce qu'il y a moins de monde. Discute. Tu as bien fait de repousser tes limites alors, c'est chouette d'être sorti d'une période difficile comme ça. Bah, le stream m'a beaucoup aidé. Hein. Voilà. On va quitter cette île, on va plutôt prendre une île. Alors, déjà, on va d'abord aller sur l'île du DLC et récupérer. Comment ça s'appelle ? On va récupérer le... J'ai perdu le nom. Ah, j'ai perdu le nom. On va récupérer les plans de craft. Et après, on va sur l'île de... Sur une île aux clochettes. Une île aux clochettes. Pourquoi quand je spam... Ah, ça marche pas. Les plans, voilà. Le plan, et après, on ira sur l'île... une île avec les tickets Nook Miles. Je vais y arriver. Monsieur Follow, bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Ah si, tu vois, c'est très chill, c'est très tranquille. Là, on est sur du Animal Crossing le mercredi. Sinon, en règle générale, on fait du Sims, construction uniquement. Et on fait également du Stardew Valley le vendredi en ce moment. Hop, on va vite fait aller voir Thibou. Alors, je cours, mais je vais me faire becter par un scorpion à force.
Notre yoga du soir, exactement. Animal Crossing, un de mes jeux préférés. Bah, j'aime beaucoup Animal Crossing. C'est mon jeu de chill par excellence. Genre, j'adore y jouer. Alors, en été, j'aime trop y jouer. J'aime bien la vibe de l'été sur Animal Crossing avec les cigales et tout. Et j'adore y jouer en automne. Oh, en automne, j'adore me foutre avec mon plaid, mon petit thé. Mon petit thé pumpkin spicy qui vient d'une boutique à Orléans. D'ailleurs, faut que j'en rachète, j'en ai plus. J'ai un rooibos pour être exact, qui est à la tarte à la citrouille. Il est incroyable. Il est trop trop bon. Ils le vendent que à Orléans, c'est dans une boutique à Orléans. Et chaque année, j'en achète, je dégomme le paquet. Et à chaque fois, je me prends celui-là, je prends ce petit thé-là, mon petit plaid, et je joue Animal Crossing en automne quand il pleut dehors, là, quand il fait un peu froid et tout. Là. J'aime trop. Alors, je crois pas que ce soit une vraie. Si, c'est une vraie, normalement. Non, c'est une fausse. Oh, j'ai trop le seum. Si, c'est une vraie. De toute façon, la toile crépusculaire, ça pouvait être qu'une vraie. Il peut pas y avoir de fausse. J'adore y jouer avec des gens, moi, mon truc préféré. Alors que moi, pour le coup, Animal Crossing, j'y ai quasiment jamais joué en multijoueur. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai pas d'affinité particulière avec Animal Crossing New Leaf, par exemple. Je sais que Animal Crossing New Leaf est un des préférés de la communauté d'Animal Crossing pour son côté multijoueur. Donc moi, pour le coup, je suis quelqu'un qui joue pas spécialement le multijoueur, notamment, enfin, surtout sur Animal Crossing. Et parce que moi, vraiment, mon but dans Animal Crossing, c'était me faire ma petite bulle de vie. Me créer mon petit univers parfait, mon petit truc où quand je me sens pas bien, voilà, je suis un peu déprimé, bim, je vais là-dedans, c'est mon petit monde à moi. Et j'emmerde personne avec mes habitants préférés et tout. Et du coup, bah, le multi pour moi, j'aimais pas trop. Hop là. Généralement, vous faites quoi en multi? Il n'y a pas forcément de gameplay. Alors sur celui-là, non, mais sur l'autre Animal Crossing New Leaf, il y avait énormément de choses. Il y avait plein de mini-jeux, il y avait l'île de Tortimer, t'avais pas mal de choses à faire. Du coup, on a complété le squelette, et ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, je crois qu'il nous reste plus que deux fossiles à avoir. On va aller voir notre petit café. Parfait. Il est encore sur Switch. Comment ça, il est encore sur Switch? Tu as testé le DLC? Oui, on l'a terminé. D'ailleurs, on va aller sur le DLC vite fait là pour aller récupérer le plan de craft journalier et la recette de cuisine également. Pour ceux qui ne savent pas, si vous avez fini le DLC, enfin même pas si vous l'avez fini, à partir du moment où vous avez créé le restaurant dans le DLC, sachez que tous les jours, vous avez un plan de craft qui s'échoue sur la plage et vous avez également une recette de cuisine à aller récupérer quand vous parlez au chef cuistot du restaurant. Une question, mon doigt ripé. Il est encore sur Switch. Mais oui, oui. Pourquoi il est encore sur Switch? Je comprends pas de quoi tu parles. Le plan, je savais même... Je savais même pas la recette. Ouais, la recette, oui. J'ai jamais fini. Enfin, alors, t'es même pas obligé de finir un DLC pour le coup. À partir du moment où tu vas sur le DLC et que tu construis le restaurant, et ben tu as tous les jours un plan de craft et une recette de cuisine. Tous les jours. Quand j'étais petite et que j'en étais triste ou que j'avais peur le soir, j'allumais la DS en cachette avec les habitants d'Animal Crossing, me rassurer. Non mais je comprends, moi je jouais souvent en cachette la nuit à Animal Crossing aussi. Pour aller récupérer les insectes. Tu as une minute. Oui, je vais débloquer un objet. Quelque chose pour toi. Tu vois que c'est une façon de te remercier à ma façon. Un caféier. Oui. Ça fait des mois que j'ai pas ouvert à CNH. Bah. Moi, ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Et là, on a recommencé une partie au mois de mars, si je me souviens bien. J'avais trop envie d'y jouer. Le seul défaut que je... Enfin, il y a quelques défauts dans le jeu, on va pas se mentir. Il manque les habitants phares. Il manque vraiment un côté multi. Il manque quelques trucs. Mais il y a un truc que je n'aime pas dans Animal Crossing, dans celui-là. L'hiver. L'hiver est trop long dans Animal Crossing. C'est tout blanc tout le temps. Il n'y a pas de variation de couleur. L'automne, c'est intéressant parce que l'automne, il y a plusieurs variations. Ça passe un peu dans du marron, du jaune, du orange, du rouge. J'aime trop d'ailleurs quand c'est la couleur un peu rouge au mois de novembre. Voilà. Mais après, en hiver, à partir de début décembre, c'est tout de suite la neige jusqu'au mois de mars. C'est super long. Et du coup, bah, en fait, tu te lasses très vite de l'hiver. Oh, papillon.
Il dit qu'il casse les pieds, je te jure. Loin de nuit, ouais. Mais là, avec l'arrivée de l'été, là, les couleurs elles sont super pétantes. Il y a plein d'insectes. Pour le coup, alors j'aime plus capturer les insectes que pêcher dans Animal Crossing. Oh là là, faut que je nettoie mon île. Ok. Alors, je vais aller voir comment il s'appelle. Notre grand ami Mélimélo. Pour vider mon inventaire déjà. J'ai repris les Sims aujourd'hui après un an sans y avoir joué, voire plus. J'ai acheté les DLC avec les chevaux du coup. Mais pas mal. Le DLC, je sais pas si tu l'as déjà, le DLC de Vie à la campagne. Il est trop cool et il se marie à la perfection avec Vie au ranch. On va vendre ça. Du coup, le Rémoret, je l'avais déjà. Ça, on le vend, on s'en fout. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et voilà. On va déposer les autres trucs dans ma maison. Et on va aller sur l'île du DLC. Et on va récupérer un ticket Nookmax également. Garde les oranges. Pourquoi tu veux que je les garde? Alors, on va vite fait aller à la maison pour déposer tous les trucs qui ne servent à rien. On va faire de la place dans l'inventaire. Et mon petit champ de citrouille là, oh je suis trop content. Ça manque encore de déco par contre. Il y a Nookmiles. Bah oui mais non. Oui bah après c'est pas grave, de toute façon quand j'irai sur l'île de Nookmiles, j'aurai quand même de quoi déterrer sur l'île. Et coucou Kéké, comment tu vas? On peut entreposer des sacs de clochettes? Non on peut pas. Par contre je peux les lâcher. Pour l'instant, on va les mettre là. Et bonsoir à tous et à tous. Et coucou Minixia, comment tu vas? J'ai des packs sur les Sims. J'ai tous les packs, tous les kits, tous les add-ons. Perso, j'ai Amour Fou et la FAQ, mais j'ai du mal à jouer avec. Amour Fou, mais il est pas encore sorti. Amour Fou, il sort la semaine prochaine. Ma Switch est complètement à sec de batterie. Ouais, alors le pire, c'est quand t'es vraiment à sec de batterie, à mes 1000 ont à redémarrer. Oh regardez, ils sont trop mignons, ils sont en train de manger une glace. Très bien, toi, bah écoute, ça va très bien. Alors lui, il a une glace vanille pistache ou menthe. Coco, elle a juste vanille. Et Mirza, pareil. Alors Mirza, on va lui dire au revoir, je pense. Parce que Mirza, elle va être remplacée. C'est une de mes habitantes préférées, mais je trouve que dans le thème de mon île, elle va pas trop. Donc je pense la remplacer par Stéphane. Oups là. Ça serait bien de... Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Alors, je sais pas, je pense que ça doit pas à la caméra. Je me suis... Merci beaucoup Ever. Merci à toi pour le follow. Je me suis... Me demandez pas comment j'ai fait. Je me suis griffé avec un cutter. Je me suis griffé le bout du nez. Donc j'ai une grosse race rouge sur le... Sur le bout du nez, alors je pense pas que ça se voit à la caméra. Alors moi, c'est pour ça que je n'arrête pas de me toucher le nez et de me gratter, c'est parce que ça me gêne. Ton île principale, c'est ton île de 2020 ou tu l'as restart? Non, mon île principale, c'est mon île de 2020. Je ne l'ai jamais reset et je ne pourrai jamais la reset. Moi, j'ai une attache particulière avec mes îles dans Animal Crossing, j'y mets tout mon cœur et donc du coup, je peux pas les reset. Celle-ci, j'ai réussi parce que c'était mon île de stream et j'avais pas trop aimé ce que j'avais fait. Et donc du coup là vraiment on a pris le temps, on a reset plein de fois pour avoir vraiment le schéma de l'île que je voulais. Et mon île personnelle, pour vous dire à quel point j'étais hypé de fou quand le Animal Crossing New Horizons a été annoncé. Peu de temps avant que le jeu sorte, ils ont sorti un éditeur de map. Et du coup j'ai édité ma map parfaite. Et je voulais trop que ma mairie soit pile centrée à la sortie de l'aéroport. Au bloc près, vraiment au carré près, hein, au pixel près. Et bah sachez que j'ai reset pendant 2 heures le jour de la sortie du jeu. Moi je l'avais pris en dématérialisé, c'est avec le confinement, j'ai annulé ma précommande sur Amazon, parce qu'il livrait même plus. Et du coup ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai directement récupéré, du coup bah, je l'ai pris sur le eShop. Et de la nuit de jeudi à vendredi soir, bah, j'ai reset jusqu'à 3h du matin pour avoir l'île, la forme d'île que je voulais. Ça coûte un vrai Sims, ouais. Puis la sortie, j'ai... c'est comme moi, j'ai ma première depuis et je n'ai jamais reset. Bah moi j'ai 2 Switch du coup. Bah du coup j'ai reset en boucle.
Et du coup, bah, j'avais créé l'éditeur. Moi, je me souviens, la hype, vraiment, j'en pouvais plus. Hein. J'avais rejoué à tous les autres Animal Crossing. J'ai même téléchargé sur, sur un émulateur le jeu sur GameCube. Je n'avais jamais joué. Ah. Et coucou, Sodi, comment tu vas? Hop là. Alors, petit plan de craft qui devrait être par ici. Par contre, j'ai pris des choses comme elles venaient. Je me suis adapté. Moi, je voulais vraiment que ce soit centré. Après, le reste, je m'en fichais. Alors si, le seul truc que je voulais pas, c'était les pêches en fruits principal. Bah, j'ai eu les pêches en fruits principal. Là, j'avais le seum. Ah, je l'ai déjà, mince. On va aller au resto. Jouer un musée japonais. Bah là, c'est ce qu'on est en train de faire. L'île actuellement de stream, c'est... d'ailleurs, ça s'appelle Mizuteri. Et c'est une île sur un thème village japonais. Un peu campagnard et tout. J'avais pas envie de reset mon île, j'y ai passé trop de temps dessus pour la reset, alors il me reste encore beaucoup de choses à faire, je comprends. Et coucou Meg sur TikTok, coucou à ceux qui sont sur TikTok. Très bien, merci toi. Bah écoute, ça va, Sodi. Attendez, c'est elle la cuisto. Hop là. Vous voyez, chaque jour vous lui parlez, et vous aurez du coup une nouvelle recette de cuisine. Voilà, je l'ai à l'orange, mais je crois que je l'ai déjà ça. Ah bah je l'ai déjà. C'est un village dans le style de la ville de Kyoto. Oh, trop bien! J'ai les pêches et aussi un aéroport, et aussi l'aéroport orange, et ça me va très bien. Alors je crois que mon aéroport sur mon île principale, je sais plus s'il est jaune ou orange, j'ai un doute. Un onsen, un temple, après une forêt de bambou et tout, trop bien. Alors vous savez moi ce petit resto, j'ai fait un petit restaurant japonais, j'aime trop. Faut juste que je mette de la musique dedans. Je vais bientôt rejouer car je ne joue plus à cause de ma dépression. Mince. Mais alors, après, chaque dépression est différente. Hein. Mais peut-être que le jeu pourrait un petit peu t'aider aussi. Je sais qu'Animal Crossing, c'est un jeu qui est très chill. Donc peut-être que ça pourrait te faire un petit peu de bien d'y jouer. Après, je sais que chacun a une approche différente. Hein. Mais peut-être que ça pourrait aider. Moi, je sais qu'Animal Crossing, quand je suis... Alors, j'ai des petits coups de bad, je parle pas de dépression, j'ai déjà eu une dépression, je sais comment c'est différent d'un petit bad. Mais quand je suis un peu déprimé, quand je me sens pas très bien, et que ça, que je suis en période de stress, j'aime trop jouer Animal Crossing, ça me détend. Je vais reset, ça peut m'aider. Ça peut aider. Je sais plus si c'est possible de leur refaire l'intérieur sur le DLC de la CNH. Si c'est possible, faut parler justement à Lou. Tu lui parles et tu lui dis que tu veux refaire un bâtiment. J'ai aussi décidé de ne pas faire de TT dans New Leaf, j'en faisais beaucoup et mine de rien, ça faisait un peu altérer mon expérience de jeu. Je comprends totalement ceux qui le font, je juge sur rien. Pour moi, c'est une façon géniale de profiter du jeu. Alors, sur mon île principale, je n'ai pas fait de time travel. Les rares fois où je l'ai fait, c'est parce que j'avais pas pu jouer à un événement, genre par exemple le concours de pêche ou le concours d'insectes, d'insectopharie et tout. Là, par contre, je m'octroyais le droit de faire du time travel en arrière pour le faire. Ou quand, par exemple, très souvent, le 31 décembre, tu peux, enfin, tu joues pas. Enfin, c'est, moi, je sais que je fais de la fête avec mes amis. Je joue pas Animal Crossing, donc par exemple, je peux pas fêter le nouvel an sur Animal Crossing. Du coup, là, je m'octroyais le droit de faire du time travel en arrière ou en avance si je savais que j'allais pas forcément le temps de le faire après pour pouvoir le faire. Ou Noël, par exemple. Je fais pour les navets. Les navets, je fais pas time travel parce qu'il me semble que quand tu fais time travel avec les navets, ça fausse un peu le taux de navets. Animal Crossing a toujours été ma thérapie depuis New Leaf. Je comprends. La fête du partage. Oh, la fête du partage, j'aime trop la fête du partage. C'est pas ça que je voulais faire. Je regardais juste ce qu'il y avait dans la boutique, mais c'est pas intéressant. J'ai jamais fait le nouvel an sur un scénage du coup. Une photo sur la place vers 16h, je comprends. Ah, je voulais m'en débarrasser. Tant pis, on s'en débarrassera ailleurs. Bah écoutez, on va aller tout de suite faire une île avec les Tiki Nook Miles. Avec un peu de chance, on va essayer de trouver une île toute plate. Ah, je peux aller sur l'île de Joe. Non, on s'en fout. Quoique, si. Non, on va sur l'île de Joe. On va aller voir notre amie la diseuse de Bonne Aventure. Si elle pouvait me dire que mes outils soient incassables, ça serait trop bien. Avec mon groupe d'amis, un cherche un taux à 600. Et ensuite, les autres se mettent à dimanche et font des allers-retours. Ouais, je comprends. Mais en vrai, je trouve que c'est un peu pas gâché l'expérience du jeu. Mais du coup, tu enlèves la partie. Farm de clochettes, je peux comprendre. Moi, je sais que j'ai fait. Au final, j'ai très peu de fois utilisé les navets. Notamment, par exemple, moi, j'ai eu un. On s'est fait un concours avec mes amis pendant le confinement. C'est-à-dire le premier qui arrivait à rembourser l'intégralité de ses crédits de maison dans Animal Crossing. Et moi, je m'étais fixé un objectif encore plus dur. Chaque jour dans Animal Crossing, je devais rembourser le crédit de la maison. Donc, dès que je finissais un crédit, du coup, t'avais des travaux qui se faisaient le soir. Le lendemain,
J'avais le nouveau crédit, je devais le rembourser. Et bah je l'ai fait. Pendant le confinement, c'est ce que j'ai fait. Les 7 premiers jours de jeu, j'ai farmé comme pas possible pour que j'ai eu la maison complète, entièrement améliorée, agrandie, dès la première semaine du jeu. Parce que j'ai farmé comme un bâtard. Et c'était un concours avec une de mes amies, elle était dégoûtée parce qu'en fait, moi, toute la première semaine de Animal Crossing New Horizon, il a plu toute la semaine sur mon jeu. Ce qui a fait que du coup, j'ai eu un taux de pop de poissons rares, trop puissants. Des poissons rubans et des sélacantes. J'ai pêché une centaine de sélacantes. Du coup, j'avais même pas encore le musée, je me souviens que j'avais tout entreposé au sol. Et tous les autres, je les vendais. Et vraiment, je me suis fait une thune, mais pas possible. Ouais, je l'ai tryhard. Encore aujourd'hui, c'est devenu un running gag parce que ma pote a pété des câbles. Dès que je recevais un poisson ruban, tu me dis pas possible, t'as trop de chance. Encore aujourd'hui, alors que le jeu est sorti il y a 4 ans maintenant, je lui envoie une photo dès que j'ai un poisson ruban et ça l'énerve encore. Elle a trop le seum. Par contre, j'avais pas du tout pour la recette de cuisine pour la scène HMA, mais si, du coup, c'est pratique. Du coup, en tout par jour, tu peux avoir au minimum 2 plans de craft et une recette de cuisine. Alors. Même, c'est même plus que ça. T'as un plan de craft sur ta plage, un plan de craft sur la plage du DLC, tu as également une recette de cuisine, et 3 fois par jour, tes habitants, un le matin, un l'après-midi et un le soir, va soit crafter chez lui, soit cuisiner. J'ai commencé Animal Crossing, j'avais 13 ans, j'en ai 23 maintenant. Ben, moi j'ai commencé Animal Crossing, j'étais jeune aussi, et maintenant j'en ai 30 et je continue à y jouer. Et coucou Choupi, comment tu vas? Faut juste que je réfléchisse à un nouveau nom pour mon île et thème, ça va être long. Ah ça je peux comprendre. Vu qu'il y avait des bugs, on pouvait closer des objets. J'ai jamais testé ça. Je redémarre la scène, j'ai trop peur. Merci Choupi pour le follow. Ah, attendez, j'ai même pas lu ce qu'elle disait. Vision, je me déduis que la chance avec ce que tu possèdes augmentera. Attendez, je crois que mes outils ne cassent pas. Si mes outils cassent pas, c'est incroyable. Parce que du coup, c'est parfait pour farmer. Dire que rien que les Sims 4 c'est sorti en. La sortie était en 2014. Ça fait 10 ans. Le jeu va avoir 10 ans là. Moi j'ai commencé Animal Crossing il y a un mois. On peut pas. On peut pas partir sur une île à Nook Miles dès cet endroit. C'est très chiant. Mais ouais, mais vraiment Animal Crossing, la vibes, j'aime trop. Mais oui, bienvenue dans la communauté, Choupi. Hop là. Bonjour, bonjour. Je vais voyager. Allez, l'île au bambou dès le premier coup. Sinon, au pire des cas, on essaie de trouver une île à peu près plate. La dernière fois, c'est ce qu'on avait eu. On avait l'île en spirale, mais elle était plate, donc c'était pratique. J'ai une question. Oui, vas-y. Je joue depuis la GameCube. En fait, je ne savais pas qu'il existait sur GameCube. Sinon, j'y aurais joué. J'ai voulu la racheter sur GameCube, mais aujourd'hui, c'est hors de prix. Pour l'acheter sur GameCube. Parce que là, sur GameCube, j'ai encore ma GameCube marche encore. Hein. Elle marche juste pas sur ma télé, c'est très chiant. Parce qu'il faut que je m'achète un adaptateur. Mais j'ai sur ma GameCube, j'ai les Sims permis de sortir, bien entendu. J'ai les Urbs in the City. J'ai Mario Kart Double Dash, bien entendu. J'ai Super Mario Sunshine, bien entendu. J'ai Luigi's Mansion, qui est un de mes jeux préférés. J'ai quoi d'autre encore sur GameCube? J'ai Mario Smash Football. Alors, je déteste le foot, mais j'ai quand même Mario Smash Football parce que ma GameCube est la collector Smash Bros Football. Faut savoir qu'à la base, je l'ai eu pour mon anniversaire. Je l'ai acheté pour mon anniversaire. Mes parents étaient contre les jeux vidéo. Donc j'économisais pour pouvoir me les acheter. Et mes parents ont accepté qu'enfin que je puisse me l'acheter avec mes sous. Sauf qu'il ne restait plus que la Switch, la GameCube, football, enfin Mario Smash Football. Parce que celle de. Comment ça s'appelle? Je vais pas y arriver.
de ma recarte était en rupture de stock et il devait la recevoir que dans 2 semaines. Mes parents se disaient, ah, bah, c'est pas grave, tu la recommanderas dans 2 semaines. Sauf que mes parents trouvaient toujours une excuse pour toujours repousser la date pour que je m'achète une console parce qu'ils étaient contre. Mais là, ils pouvaient pas trop dire non parce que en fait, c'était avec mes sous que ma famille m'avait donné pour mon anniversaire. J'avais pas d'argent de poche, donc clairement, voilà, ils pouvaient pas trop dire non. Et j'ai dit, ah, non, non, c'est pas grave, je prends celle-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai... Ah bah du coup, non. Du coup, c'est pas ma... Pourtant, elle a dit que... Bah alors, c'est quoi? Elle a dit que ma chance en termes de matériel, elle a augmenté. Je somme. Du coup, c'est pour ça que j'ai la... Du coup, moi, j'ai la GameCube blanche. Luigi Mansion, meilleur jeu. J'adore Luigi Mansion 1. Comment tu fais pour avoir tous les marchands sur l'île de Joe? Bah faut les acheter, tout simplement. Il faut les acheter, c'est long mais il faut les acheter. Moi j'ai PSP, PS3, PS4, PS5, la première DS, la Wii, la Switch, la Xbox Series S, pardon. On essaye de faire la collection mais c'est un budget. Alors moi en console, hein, j'ai... Alors j'ai pu, il y en a que j'ai pu. Mais j'ai toujours ma Game Boy Advance SP. D'ailleurs, je l'ai retrouvé. J'ai ma Game Boy Advance SP Collector Pokémon Saphir. J'ai ma PSP. J'ai la PSP Lite. Enfin, c'est la PSP que j'ai. J'ai eu la PS4, mais je l'ai revendue pour acheter la PS5. J'ai ma Switch Collector. J'ai deux Switch. J'ai la Collector Animal Crossing et la Collector Mario Odyssey. J'ai ma New 3DS. J'ai eu la DS Noir Lite. J'ai la GameCube blanche. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Nintendo 64. Oh, j'ai jamais eu Nintendo 64. Par contre, j'y ai joué chez ma meilleure amie d'enfance. Camille, d'ailleurs, qu'on a raid hier soir. Parce qu'elle aussi, elle se lance un petit peu dans le stream de temps en temps. Ah, il me faut pépite de fer, mince. Et du coup, on jouait sur un Nintendo 64 Collector Pikachu. Elle était trop stylée, cette 64, que sa mère a vendue dans une brocante à 20 euros. Alors que... Oh, le con. Alors que celle-ci, elle se vend plus de 200 balles, quoi. J'imagine sur GameCube, c'était une pépite. Il était trop bien. Et même si j'ai beaucoup aimé Luigi's Mansion 3, pour moi, ça n'arrive même pas à la cheville du 1. Pokémon avec le gros Pikachu dessus. Et c'est ses joues à s'illuminer en rouge quand tu lances le jeu. Ouais, c'est celle-là qu'elle avait aussi. J'ai la 2DS édition Animal Crossing et la Switch édition Animal Crossing aussi. Oh, armure en fer. Là. Comment on fait pour les acheter? Bah normalement, t'as juste à aller parler au gyroïde sur l'île de Joe. Alors attention, pour avoir les trucs de l'île de Joe, faut que t'aies terminé la mission principale entre guillemets du jeu. Faut que t'aies kéké, que t'aies eu les 3 étoiles et que kéké soit venu sur ton île. Sinon, ça apparaîtra pas. Voilà, Kiki est là. J'ai la Game Boy Color transparente violette. Je l'ai jamais eu celle-là. Mes voisins l'avaient, du coup j'y jouais. Mais comme mes parents étaient contre les consoles, je trouve celle-ci... voilà. À la base, c'est celle-là que je devais acheter. Sauf que, à ce moment-là, quand j'ai voulu l'acheter, la Game Boy Advance SP venait de sortir. Et... Mes parents, je me souviens, avaient accepté de mettre la différence. Alors la différence n'était pas très chère, la différence c'était de 40 euros. Mais bon, à l'époque, c'est quand même beaucoup pour un enfant. C'est vrai que c'était l'argent de mes anniversaires et tout. Parce que la Game Boy Advance fonctionnait avec des piles. Et mes parents, enfin ma mère avait dit, mais attends, la nouvelle qui vient de sortir, elle fonctionne sur batterie avec un chargeur, ça sera mieux, tu gaspilleras moins ton argent en pile. Et du coup, mes parents avaient payé cette différence pour que j'achète celle-là et non pas la Game Boy. À la base, c'était prévu que je m'achète la Game Boy Advance et le jeu Pokémon. Du coup, bah là, j'ai acheté le pack collector. J'avais plein d'autres consoles aussi, mais je revendais tout à l'époque. Moi, bah, j'ai revendu ma PS4 parce que j'ai acheté la PS5, donc je ne voyais pas l'intérêt de garder la PS4. D'ailleurs, j'ai acheté la PS4 uniquement pour jouer à Kingdom Hearts. Et j'ai acheté la PS5. Pourquoi j'ai acheté la PS5? Pour acheter quel jeu? Pour jouer à quel jeu déjà? Si, je voulais jouer à des exclus de la PS5. Bah si, pour jouer à Horizon Forbidden West par exemple. Au final, elle n'a pas été une exclu plus que ça, mais... Mon copain pour mes 30 ans m'a acheté mon MetaQuest. J'ai un de mes meilleurs amis, qui a le MetaQuest aussi. Et en vrai, c'est plutôt sympa, il me l'a prêté pendant une semaine, c'était sympa.
celle de l'époque. Bah oui, tu m'étonnes, non. Je suis fatigué de devoir passer chez tout le monde. Je vais aller sur quelle île, là? En fait, j'essaie de trouver une île plate pour pouvoir optimiser ma chasse aux insectes. Bah, hé, regardez, c'est une île plate, ça. Bah, attendez, c'est une île aux clochettes. Non, mais c'est... Attendez, c'est quoi? Ah non, c'est... Elle est pas plate, l'île. Merde. En vrai, l'île, elle est pas plate, mais je pense que ça passe. Je pense que cette île-là, elle peut être parfaite pour farmer les insectes. Je pense qu'on va le faire sur cette île. Par contre, est-ce que... La question est, l'insecte, il pop quand il pleut ou pas? Oh, ça dit pas non, donc je suppose que oui. Des fleurs, les cosmos. Ouais, je crois que c'est celle-là, mais je vais les enlever de toute façon. Faut tout que j'enlève. Hop là. Là, on va passer sur la destruction. On enlève toutes les pétales. Mission. Là, on va ravager l'île. On va couper tous les arbres. Enlever toutes les pétales. Pour optimiser le pop. Fais une visite de ton île. Oui, je la ferai peut-être après. Oh, trop bien, on peut tourner derrière là. Ça, c'est pratique. Alors, ce palmier-là, on va l'enlever. Oh, je vais tout mettre d'un seul côté, pour que ce soit plus simple. Alors, viens là, toi. Et coucou, Thaïs, comment tu vas? Elle a vraiment une forme particulière, cette île. Viens, toi. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. En pleine chasse aux insectes sur Animal Crossing. Dans ton aventure. Bah là, on a terminé l'histoire principale du jeu, on a terminé le DLC également. Là, on fait pas de déco, où je décore mon île, mais là, on va chasser les insectes. Je cherche le scarabée Hercule. Voilà. Donc là, je vais faire en sorte que je puisse le choper. Donc je suis en train d'optimiser une île. Nook Miles, alors il pleut, c'est pas très grave, normalement il devrait quand même popper. Alors en fait, là je suis en train d'optimiser une île. Étant donné que je cherche des scarabées qui pop uniquement sur des palmiers, ce qu'il faut faire c'est littéralement enlever toutes les zones, les autres zones de pop qui est possible pour les insectes. Donc c'est-à-dire les fleurs, parce qu'il y a les papillons. Les autres arbres, parce que du coup, bah, ça va popper d'autres scarabées sur les autres arbres. Donc ça, faut les couper. Et comme ça, ça te permet de faire apparaître que les insectes au sol et sur les palmiers. C'est de l'optimisation. Alors non, c'est pas ça que je vais faire. En gros, les insectes pop d'une certaine manière. Donc par exemple, certains insectes vont apparaître à cause des fleurs, les papillons, etc. Les insectes vont, certains vont popper que sur les arbres type sapin ou arbre fruitier. Mais moi je cherche actuellement, je veux farmer pour récupérer des scarabées Hercule. Donc du coup, je coupe tout, sauf les palmiers, et comme ça, ça va popper que sur les palmiers. Je fais ça parce que j'ai toujours peur des guêpes. Il n'y en aura pas. Par contre, j'ai peur que comme il pleut, ça pop pas. Oh, si il pleut et que ça pop pas, j'ai trop le seum. Il n'y en a pas aussi qui spawnent sur les arbres coupés. Non, justement, si j'enlève la souche d'arbre, ça pop pas.
Par contre, là, j'ai très peur parce que ça devrait déjà commencer à popper. Ah, on va regarder. Je vais essayer de me renseigner sur internet. Mais j'ai peur que ce soit à cause de ça. Alors par contre, toi, non pas toi, toutes les plantes lâchées, pareil, ça prend de la place inutilement. Ah, toi on va te relâcher, c'est répugnant de dire un gros cafard, lâché. J'en ai un scarabée, moi j'en ai pas. On l'a cherché la semaine dernière pendant plus d'une heure. On l'a pas trouvé et deux fois à la fin du stream j'ai couru et bêtement bah ils se sont envolés. J'avais trop le seum. Oui, c'est pour ça que j'ai enlevé les fleurs, c'est pour éviter que ça pop. Je crois qu'à cause de la pluie ça popera pas. Bon après c'est pas grave, hein, je récupère les arbres hein, mais... juste relou quoi. Vous voyez, on est d'accord que depuis tout à l'heure là, on n'a pas vu un seul insecte. C'est pas normal. On a vu zéro insecte, c'est pas logique. Alors il y a juste la punaise d'eau, mais parce que la punaise d'eau je crois qu'elle pop quand il pleut. J'en étais sûr. J'en étais sûr. C'est ça que le scarabée Kabuto il est dégueu. Je ne vous écoutais pas. Et t'avais pas arrêté de dire ton... Non. C'est vrai. Je crois que c'est à cause de la pluie, ouais. Oh, j'ai trop le seum, c'est à cause de ça. Je peux pas arrêter de pleuvoir. Ça, c'est quand même fort appréciable le jeu. Non, à mon avis, ça pop pas. Le pire, c'est que tout à l'heure, je l'ai fait. Hein, c'est juste cet arbre-là, je l'ai pas fait. Bon. C'est pas normal. Il aurait déjà dû y en avoir. Je pense qu'à cause de la pluie, ça pop pas. J'ai trop le seum. Je t'ai fait tout ça pour rien. Bah écoutez, on va manger plein de... On va manger plein d'oranges et puis on va aller chercher des tickets Nook Miles. Et quitte à faire des heures sup ce soir de stream, et bah on continuera le stream. Regardez sur internet. Les insectes. Animal Crossing. Hop. Avec. Là. Pas les insectes, les scarabées. Surtout ne pas courir. Oui, exactement. Surtout, faut pas courir. Ça le dit pas. Ça le dit pas. Ça compense vendredi et dimanche, exactement. Je crois que ça marche pas. En vrai, j'ai pas plus d'infos. Mais je pense que ça marche pas. Parce qu'en vrai, là, c'est pas logique. La dernière fois, vous avez bien vu. Hein. À peine j'avais commencé à enlever tous les arbres,
Ça popait de ouf sur les cocotiers. Bon bah j'ai le seum. Bah c'est pas grave, on va aller sur une autre île. On va récupérer ces cocotiers là. C'est con parce qu'elle était presque plate. Attendez. Qu'est-ce que l'on voit ici? Est-ce que l'on verrait pas un petit requin? Je me concentre. Ah, oh, c'est pas un requin. J'ai trop le seum. Ça va pas vibrer. Et surtout ne pas courir. Oui, je sais, faut pas courir. Mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hop là. Alors, déjà, on va faire un peu de place. Voilà. En manger. Hein. À tous les cocotiers que je mettrais sur l'autre île, ça devrait le faire, là. Vraiment. C'est... Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, un Remoraï. Heureux, Nebula. Bon, bah, on va changer d'île, puisque comme il pleut. Et grosso modo, il va pas arrêter de pleuvoir. J'ai trop le seum. Oui, c'est bon, je m'en vais. Je vais aller acheter des tickets Nook Miles, j'en ai plus. Je sais plus si j'en ai plus ou s'il m'en reste chez moi. Le flemme de retourner à la maison, on en rachète, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai fait des trucs là. Ah, poisson. Parfait. Génial, je peux m'acheter 4 tickets Nook Miles. En tout cas, ça fait plaisir d'être devant tes streams. J'ai abandonné Twitch depuis un petit moment par manque de temps. Je suis actuellement en arrêt maladie et ça me fait tellement du bien de me ressourcer tellement. Bah, je suis désolé pour toi, j'espère que ça va aller mieux quand même. Et content que bah, tu passes du bon temps sur mon stream. Nous ici, on essaye à chaque fois d'être bonne ambiance, chill, tranquille. À raconter des conneries aussi. Non ! Oh, Marvin ! Tu voulais me donner une mimique. Bah, désolé. You have the sum. Alors, viens à toi. Oui. Oui. Merci pour les 50 Nook Miles. Alors, échange Nook Miles. D'ailleurs, on n'aura jamais cette possibilité d'acheter plusieurs choses en même temps. Et coucou Evoli, comment tu vas? Ça, je pense que c'est une des plus grosses conneries qu'ils ont fait dans Animal Crossing, c'est de ne pas nous laisser la possibilité de pouvoir crafter des objets en plusieurs exemplaires, de pouvoir acheter plusieurs objets d'un seul coup en plusieurs exemplaires, notamment les tickets Nook Miles. Parce que vraiment, c'est d'une lenteur. Encore les crafts, je peux comprendre. Parce qu'en vrai, quand tu veux farmer des objets pour les vendre à Méli-Mélo, je peux comprendre qu'ils n'ont pas envie que tu fasses tout en une seule seconde. Par contre, pour acheter les tickets Nook Miles, c'est trop chiant. J'espère que le prochain jeu Animal Crossing, ils y penseront. Rien de grave, j'ai une bonne santé, c'est principal, juste une fatigue intense et des malaises. Besoin de repos, il y a pire dans la vie. Repose-toi, en effet. Repose-toi, faut faire attention. Et coucou Evoli, coucou, coucou. Ça va bien. Puis pour les vêtements de la boutique. Oui, les vêtements de la boutique aussi, ouais. Voilà, j'ai plus de tickets. Je suis pauvre de chez pauvre. Et là, vous allez voir, on va avoir l'île au bambou au premier ticket. Si vous pouvez avoir l'île au bambou, vraiment, c'est la meilleure. C'est la pépitasse pour... cette technique de farm. Avec mon œil balafré encore là. J'ai une question. J'ai des habitants moches. Tu sais comment faire pour qu'ils déménagent? Alors, les habitants d'un Animal Crossing, il y a toujours un habitant dans ton île qui va vouloir déménager de manière aléatoire. Ça peut être ton meilleur ami comme l'habitant que tu n'as jamais parlé. C'est pour ça qu'il n'y a plus de système où, comme avant où tu devais les taper, etc. avec le filet, et ils partaient. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est maintenant, qu'importe l'habitant, c'est une fois toutes les 2 semaines, je crois à peu près, t'as un habitant qui vient te parler, qui va te dire qu'il veut partir. Pour faire partir un habitant de manière extrêmement précise, tu as les cartes Amiibo. C'est la manière la plus rapide et la plus simple de virer l'habitant que tu veux. Tu scannes ta carte Amiibo 3 jours, 3 fois. Tu fais la mission qu'il te demande. Et au bout de le 3e jour, il va te demander d'emménager. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir choisir qui va partir. Ça, c'est la technique la plus rapide, la plus simple pour virer l'habitant que tu veux. Sinon, quand ton habitant, bah, lui, déménage,
Quand il veut partir, quand il te le dit de manière aléatoire, tu lui dis qu'il part et le lendemain il est en carton, le surlendemain la maison est vide et tu peux faire une chasse à l'habitant avec les tickets Nookmals. La troisième technique que tu peux faire, et celle-ci elle est aussi aléatoire, c'est quand tu as un habitant qui vient dans ton camping, s'il t'intéresse, tu le spams pour qu'il parle et à un moment donné il va te proposer d'emménager dans l'île, sur l'île. Il va te proposer un mini-jeu. Il faut que tu le gagnes. Si tu perds le mini-jeu, normalement, pas de panique. Tu re-spam plein de fois pendant 15-20 minutes. Et il va te reproposer de venir vivre sur l'île. À ce moment-là, tu refais le mini-jeu jusqu'à temps que tu gagnes. Et quand tu vas gagner, il va te proposer d'une manière aléatoire un habitant à virer. Et avec un peu de chance, ça virera l'habitant que tu veux. Vraiment, dans cet opus, virer un habitant, c'est compliqué. Le max de parcelles, c'est 10 parcelles pour les habitants. S'il veut déménager, il est obligé de partir. Non. En fait, quand il veut déménager, il va avoir une petite bulle au-dessus de sa tête. Si tu lui parles, il va te le dire. Il veut déménager. Mais t'as le choix de lui dire oui ou de lui dire non. Si tu lui dis non, il dit ah non, t'as raison, faut que je reste, machin. Il y a encore de belles choses à voir sur l'île, machin, truc, mûche. À ce moment-là, il part pas. Mais si tu veux qu'il parte, tu dis oui et il s'en va. C'est dans les autres opus où quand le gars il disait qu'il se barrait, tu pouvais rien faire. Donc faut quitter sans sauvegarder et recommencer l'opération pendant tout un après aussi. Et coucou Orange, comment tu vas? Let's go pour Animal Crossing, exactement. Mais c'est quoi cette poisse, il pleut encore? Attendez, je récupère ça. Qu'un peu de chance, je l'ai pas. Ah, je l'ai déjà. Dans notre farm, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, on peut constater qu'il n'y a aucun insecte comme il pleut. Enfin, insecte, on revient sur les cocotiers. Ah, il y a quand même des scarabées. Hein. Tel quel celui-là. Un Lucan Cobris irisé. 6000 clochettes. C'est relativement intéressant. Ah si, il y a quand même des scarabées. Mais je pense que comme il pleut, moi je pense que ça... Vous êtes en train de me dire que ça fonctionne parce que j'ai trop le seum. C'est-à-dire que sur l'autre île, ça aurait fonctionné. Juste que j'avais pas de chance. Si c'est ça, j'ai trop le seum. Hein. Moi qui ai que 4 parcelles encore, mais du coup... C'est pour ça qu'il ne me le demande pas. Si normalement... Normalement, si tes habitants peuvent quand même te demander de partir. Alors bon, je vais quand même changer d'île parce qu'elle est chiante. Il y a un étage et tout, on va changer d'île. Ah, c'est là. Je vois, il est bientôt 21h, on a toujours pas... C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Vous avez bien vu tout à l'heure, quand j'ai tout coupé, il y avait rien. Yes. Moi, tantôt, j'ai joué au DLC. Aujourd'hui, je joue au DLC aussi. Le DLC est pas mal, un peu répétitif. Mais le DLC apporte des trucs tellement cool, c'est pour ça. En fait, faut y jouer même si c'est répétitif. Si vous terminez l'histoire du DLC, vous allez pouvoir rénover la maison de vos habitants. Et ça, c'est trop bien. Ah, peut-être, Taïso. Là, c'était tous les serpents. Il y avait littéralement zéro insecte. Même ceux au sol, ils y étaient pas. Et le DLC, ouais, comme vous l'avez terminé, l'histoire principale, hein, on vous demande pas de faire les 300 maisons des habitants. Enfin, des 300 habitants différents. Vous terminez le DLC, genre, il faut faire 55 maisons en tout, peut-être 60. Vous finissez le DLC, et en le finissant, vous pouvez redécorer la maison de vos habitants sur votre île, intérieure comme extérieure. On a l'île plate. Mais il pleut encore, mais c'est quoi ce bordel?
Ah, en plus je suis nul. Retourner sur les Sims devant ton stream. Petite question, j'ai acheté un terrain dans le monde d'extension des chevaux. Pour avoir un ranch. C'est une marche à suivre. Non, pas spécialement. Les piqûres de guêpe, c'est sous l'eau. Bah oui, là, oui. Mais c'est bizarre. Bon, bref. Écoutez. Je secoue d'abord l'arbre, hein, histoire de récupérer la guêpe avant de me faire piquer. Oh, là le, bah, parfait. C'est quoi l'objet? Des WC. Oh, bah, génial. Sur une île déserte, avoir des WC, ça peut être pratique. Tiens, je ne devrais pas avoir. Ah, ce jeu que j'utilise, ok, ok, ok. Ah oui, ça, c'est les habitants qui parlent comme ça. Bah écoutez, là, il y a des insectes, donc il n'y a pas de raison. C'est supposé fonctionner. Bon, bah écoutez, on va refaire. Hein. Et en plus, on a la même île que la dernière fois. Bon, on refait. Hein. Hop. Hop là. Il aime les insectes. Ah, mais je sais pourquoi il me demande pas, vu que j'ai pas. Je m'en perds. Cheat. Pour ça. Ah, je sais pas du tout. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit à cause de ça. Oh, t'as pas besoin d'avoir d'internet pour les habitants. J'avoue, je sais pas du tout. Avec un peu de chance, mais ça on va lâcher aussi. On enlève. Après on enlèvera les souches d'arbres d'un coup. Oui, Evoli. Je cherche le scarabée Hercule. C'est le seul que je cherche. C'est le seul qui me manque et le scorpion. Mais le scorpion, je crois que quand il pleut, pas sûr. Après, j'ai l'impression qu'il pleut pas des masses. Ou peut-être que la pluie va s'arrêter. Ce qui est possible. Oui, c'est le pôle Nord. Comment ça, c'est le pôle Nord? J'ai vu ça. Reviens à toi. J'ai que de la neige. Comment ça t'as que de la neige? T'as fait du time travel pour avoir de la neige? Ah non, c'est dans l'hémisphère sud. T'as attrapé un requin baleine. Oh, trop bien. Hop, lâcher. Lâcher. Après on va planter les palmiers. Et coucou Héloïse, comment tu vas? C'est trop bien pour le requin baleine. Je l'ai pas encore eu celui-là. J'étais en cours de français et le prof passe les copies, tout le monde a eu une bonne note et ramène les... Ah, ramène des insectes. Un cours. Comme ça, ok. Des insectes? T'étais en cours de SVT? Ah, mais j'ai plus de place sous sa grand-mère. Lâcher. Et franchement, ça, on va le lâcher aussi, ça sert à rien. Lâcher. Toi aussi. Alors. Ok. Ah oui, il n'y a plus de place. Ah, voilà. Toi aussi. Ça va, je rentre à l'instant, j'ai été boire un verre avec des collègues. Bon, trop bien. Bien, trop bien, trop bien. J'espère que t'as profité. J'ai oublié d'enlever les insectes, les fleurs là-bas. Regardez, ça pop même sous la pluie. Donc en vrai, c'est juste que j'ai vraiment pas eu de chance tout à l'heure. J'ai le seum un peu.
Après, cette île-là est quand même mieux que l'autre. En français. Ça mange. Ah, mais c'était des insectes comestibles. C'est la fin de l'année. J'ai déjà mangé des insectes, moi. Donc ça me choque pas. Mur pomme. Jeu de jeu par Animal Crossing. Ouais, je joue aux Sims, je fais que de la construction. Je joue également à Stardew Valley. J'ai joué à Pokémon, j'ai fait les Zelda en stream. Je fais de temps en temps des jeux d'horreur. Ça peut arriver que j'en fasse en stream. Voilà. Bon, c'est des jeux un peu chill. J'ai fait quoi? J'ai fait Story of Season aussi. J'ai fait... Comment ça s'appelle ce jeu? J'ai fait Fae Farm également. Ok, j'avoue, un peu étrange, évolue, mais pourquoi pas. Mario Kart, j'ai fait du Mario Kart. J'ai fait Luigi's Mansion 3 en stream. Hier, j'ai joué Baby Yellow sur mon téléphone. Je sais pas ce que c'est Baby Yellow. Ou je ne connais pas. Voilà. Ouais, alors Horizon Forbidden West, on a fait que deux streams dessus. C'est bien, les viewers sont plus au courant que moi de ce que j'ai fait en stream. Je sais même plus. J'ai fait Kena Bridge of Spirit, que j'ai adoré. Jeu d'horreur, j'ai fait The Quarry, j'ai fait quoi aussi? Il y en a un que j'ai oublié. Subnautica, j'ai fait Subnautica également, mais oui, en plus récemment. C'est un jeu avec un bébé démoniaque. Ah oui, je vois ce que c'est. Ça y est, je vois ce que c'est. Non, je suis attentivement. Mais même moi, je me suis pas autant. Alors, on va enlever le palmier qu'il y a là. Parce que ça va toujours popper de l'autre côté, cette roche. On a fait quand même pas mal de petits jeux. Et c'est toujours chill et tranquille chez moi. Chez moi, alors en stream caritatif, on m'a vu faire du Fortnite aussi. Mais ça, alors je vous le dis tout de suite, hein, vous ne le verrez pas sur la chaîne. Mais j'ai fait du Fortnite. J'ai fait top 2. J'ai fait quoi aussi? J'ai fait. Après, c'est dans les streams caritatifs, donc après, souvent c'est exceptionnel, mais. J'ai fait pas mal de petits jeux comme ça. J'ai fait Hogwarts Legacy. Un grand arc sur ma chaîne, ça aussi, Hogwarts Legacy. Ah, ils sont un peu proches, ça va être très chiant là pour... Okay. Aussi, il y a de la place, qu'est-ce que tu racontes? Disney Dreamlight Valley également, mais bien sûr. Alors celui-là, je le laisse envoler parce que je l'ai déjà. Palia, exactement. Palia, j'ai fait Palworld aussi. Palia, j'ai vu qu'il y a des mises à jour là qui sont sorties récemment. A voir si je reprends Palia. Alors, vous savez quoi? Je crois que la pluie va pas tarder à s'arrêter parce que si vous voyez, elle est en train de disparaître à moitié de l'écran. Vous pensez quoi du jeu Hogwarts Legacy? Alors, moi, je suis un énorme fan de Harry Potter. Moi, c'était le jeu que je rêvais d'avoir depuis ma tendre enfance. C'était avoir un jeu où on pouvait littéralement être le sorcier qu'on voulait, dans la maison qu'on voulait, pouvoir explorer comme on voulait le château. Moi, j'attendais vraiment un jeu depuis des années comme ça. Et bah, on a pu l'avoir, donc j'étais vraiment très heureux. Après, le jeu n'est pas parfait, mais moi, j'ai adoré mon aventure. On l'a fait en stream, je l'ai fini à 100% le jeu. J'ai vraiment adoré. Moi aussi, des fois, ça m'arrive de jouer à pas mal de jeux, mais... Moi j'aime pas, c'est les araignées, sinon j'adore le jeu Harry Potter. Ah j'avoue, les araignées elles sont un peu flippantes. Alors les petits scarabées, bah voilà, ça commence à popper. Oui, en plus ils coûtent cher je crois. Voilà. Toi t'es Gryffondor, bah moi je suis Serre d'Aigle. Lucan, Clio, Cliclo, Mathus. Bah 8000 clochettes, allez, plein.
Alors, faut faire fuir le Bernard l'ermite. Ah, faut capturer la punaise d'eau. Parce qu'elle prend le pop. Ouais, tu dégages, du coup, relâcher. Voilà. Alors, on ne court pas. J'ai très mal placé mes armes, au pire, je les bougerai. Coucou Fat, comment tu vas? Ça fait plaisir de te revoir ici. Hop là, ça on capture. Bah écoute, ça va. On est en pleine recherche et farming de scarabées. Et mon personnage s'est fait attaquer par des guêpes. Oh, y'a un scorpion. Y'a un scorpion. Et je l'ai pas. Alors on va y aller doucement. J'ai trop peur qu'il dépop en faisant le tour. Oh, il a dépopé. Ah, il est là. Il m'a vu. La technique pour attraper le scorpion. Vous pouvez constater que quand il lève les pattes, faut avancer. Dès qu'il arrête, vous bougez plus. C'est bon, je l'ai eu. Je l'avais pas. Allez hop là, ça c'est fait. C'est un 2-3 soleil, c'est exactement ça. Je rigole, on attrape l'insecte en même temps, ça serait cool. Alors là, j'avoue, le petit scarabée Hercule, je l'aimerais bien. Non, celui-là, on l'a déjà. Hop. Donc là, on attrape... c'est bon, j'ai lu. PS, j'ai été en PLS à cause de toi sur le cursus. Comment ça, j'ai, à cause de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme l'araignée. Oui, c'est ça, c'est exactement le même principe. Alors que moi, quand j'étais enfant... Je n'ai jamais réussi à capturer sur sur les différents Animal Crossing avant. Je ne comprenais pas comment on pouvait capturer la tarentule et le scorpion. J'y arrivais pas. Non, il va arrêter de pleuvoir. Oh, scarabée, éléphant, 8000 clochettes. Un énorme tri d'affaires chez moi. C'était pas le bon scarabée, hein. Mais là, j'ai vu 8000 clochettes s'envoler. J'ai trop le seum. Pour montrer les araignées, oui. En plus, j'étais loin. Genre, vraiment, j'étais loin du scarabée, là. Après, sur le côté, j'évalue mal la distance, mais... Bah, moi, j'ai jamais vu une tarentule. Ah ouais, ouais, c'est... Enfin, en été, vraiment, t'en as plein. Les tarentules, enfin, j'en ai souvent eu. En vrai, quand tu joues... faut jouer le soir, en fait. Faut jouer la nuit. J'ai placé mes armes pas d'une bonne manière, je pense. Que c'est rappelé, revient Léon. C'est la même saison. Ah oui. Il a vu la beauté, tu l'as ébloui, visiblement. Tu sais combien vaut le requin baleine, vu que je l'ai déjà pêché? Je sais plus, il vaut cher, je crois. Mais je crois que c'est un des plus chers, le requin baleine, non? Attends, je vais te dire ça. Le poisson, ben le requin baleine. 13 000 clochettes. Voilà. Ouais, c'est un des poissons les plus chers. En tout cas, en requin, c'est le plus cher, je crois. Je regarde. Un macropina qui est à 15 000 quand même, il coûte cher. Mais celui-là, il est tout petit. Mais en termes de prix... Ouais, le requin baleine... Ouais, c'est 13 000. Pourquoi il faut jouer la nuit? Alors, il faut savoir que beaucoup d'insectes, de poissons... En fait, Animal Crossing, c'est basé sur le jeu en temps réel.
Pour information, les poissons, les insectes et les créatures marines pop à différents moments de la journée et à différentes météos. Donc par exemple, certains insectes ne sont capturables que la nuit. Ainsi que les poissons, ainsi que certaines créatures qu'il faut plonger. Des fois, il faut jouer la nuit. Des fois, faut jouer la nuit, le matin, le midi, des fois quand il pleut, des fois quand il fait beau, et en fonction des saisons aussi. Sur Let's Go to the City, j'ai le souvenir de me faire piquer par un scorpion et à me dire à ma maman en étant toute paniquée, et elle qui me dit c'est pas possible. Du coup, dans ma tête, c'était un peu enregistré comme faux souvenir que j'aurais inventé. Mais quand je me suis fait piquer dans le jeu, après j'ai halluciné et je me suis dit que finalement j'étais pas folle. Mais peut-être que oui, mais ta mère elle a dû se dire premier degré, elle a pas pu se faire piquer dans la vraie vie par un scorpion. J'ai encore pas l'impression que c'est jamais passé pourtant, je me doute que si. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Attendez. Attendez, j'ai reçu deux mails d'une commande. Pourquoi j'ai reçu deux mails comme quoi la commande elle est partie alors que je l'ai déjà reçue? Je sens que je vais avoir encore une commande en double. C'est pas ce qu'Arabic voulait. Déjà, il pleut plus, c'est une bonne nouvelle. Mister Son a dit qu'il fallait que t'arrêtes de courir. Tu conseilles de faire comment pour capturer une tarentule? En vrai, soit tu fais comme ce que je viens de faire là, sur une île plate. Alors le mieux, clairement, là, faut choper l'île au bambou. Tu rases toute l'île. Et là, tu rases du coup, t'enlèves même les palmiers. Et tu fais des allers-retours sur l'île pour que ça pop. Et bien sûr, pendant la saison des tarentules. Oh merde! Trop proche. Elle devait penser que c'était pas très Animal Crossing-like, ça me ressemblait pas du tout au jeu. Et pour me rassurer, elle a dû me dire que ça devait pas être ça. Je pense que mon personnage allait mourir vraiment. Ah oui! Après, il fallait lui montrer, parce que les piqûres des guêpes, c'est quand même violent hein, dans Animal Crossing. Après, des tarentules, tu peux en avoir aussi sur ton île. Hein. Normalement, tu peux en avoir assez régulièrement, mais il faut y jouer le soir. C'est là où elle pop. Coûte combien un scorpion? C'est cher un scorpion. C'est 8000 clochettes. Vous voulez pas que les autres insectes pop? Vous pouvez aussi creuser des trous partout sur l'île mystère. Oh. Ah ouais, mais t'es pas rendu. Hein. Et encore, là ça va, il pleut plus. Donc j'ai plus besoin de courir après les cailloux. Et là, je pense qu'il y a des, ouais, il y a des insectes. Ah si, regarde, il y a une punaise d'eau. C'est chiant. Tarentule, c'est 10 000. Ah, le scorpion, c'est 8 000. C'est un peu moins cher. Et alors, faut régulièrement faire le tour de l'île. Hop là, pour faire s'envoler les petits insectes. Parce qu'ils prennent des taux de pop. Je sais pas si j'ai déjà capturé ça. C'est déjà. Vraiment, faut maximiser le taux de pop. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va en avoir deux sur genre deux sur deux palmiers et l'un à côté de l'autre. Je vais voir flou. Là, il y en a pas. En long et pas amusant par contre. Ah bah oui. Bah c'est comme faire en sorte de faire déplacer tes cailloux. C'est si long. En fait, moi, j'ai pour projet, enfin, je l'avais fait sur mon île personnelle, et là, je voudrais le faire aussi sur cette île-là, et faire en sorte que, merde, que tous les cailloux soient au même endroit sur l'île, dans un endroit un peu arrondi. Pour faire ça, il faut placer des mannequins sur l'intégralité de la parcelle, à deux blocs près, je crois. Deux blocs d'espace à chaque fois. C'est super long à faire. Et une fois que vous le faites, vos cailloux, ils pop pile à l'endroit que vous voulez. Mais faut y arriver. Bonjour, je voudrais des petits scorpions, s'il vous plaît. Moi, je veux juste le Hercule. Je demande pas les autres, je demande juste une espèce en particulier.
C'est de fou, mais jamais j'aurais le courage de faire ça. Je l'ai fait sur mon île personnelle. C'est long, mais c'est tellement satisfaisant. Parce qu'une fois que vous avez mis les mannequins, avec les tenues personnalisées, vous avez juste à modifier la tenue personnalisée, ce qui fait que du coup, les mannequins disparaissent automatiquement. Même Bernard l'ermite, je crois que c'est 1200 clochettes, je crois. Bah de toute façon on va te relâcher parce que je veux pas de toi. Alors là je capture histoire de dire parce que je suis persuadé que cette histoire de taux de pop est vraie. Je suis persuadé que si j'en capture 100 des insectes, ça va commencer à apparaître. La dernière fois j'ai trouvé que c'était assez flagrant. On avait capturé vraiment beaucoup. Oh, il y a encore un scorpion. C'est moi ou il vient de tomber dans l'eau, cet abruti? Le scorpion est tombé dans l'eau. On l'a vu, il est tombé. J'ai vu les petites gouttelettes d'eau. J'ai trop le seum. Une petite pensée pour ce scorpion parti trop tôt. J'ai vu un moustique, faut le capturer. Rip Scorpion, mais ouais, moi je voulais le capturer, je voulais le vendre. J'ai trop le seum. Pas de scorpion là? Ouais, de scorpion de. Bah, t'aimais bien petit scorpion parti trop tôt. Après, deux scorpions en 5 minutes, on est plutôt bien. Voilà. Le Kabuto, yes. Après le Kabuto, écoute 1356 clochettes quand même. J'ai des Simflouzes. Oh, les trucs verts, je les enlève parce qu'en vrai, ça coûte 200 clochettes, ça sert à rien. Non. Ah, faut que je retourne là-bas. Putain, il y a encore un moustique. Bon, il faut que je fasse le tour. On capture le moustique, que j'enlève le petit scarabée violet. Non, c'est bizarre que le scarabée violet il pop. Il est où le moustique? Il était pas vers là. Je l'entends, il est là. Infâme créature, même dans le jeu il nous casse les pieds. En plus ils ont super bien fait le bruit je trouve. Petit scarabée, viens là toi. Oh merde. Bon ça, heureusement que c'était pas le... Imaginez ça aurait été le Hercule, j'aurais eu trop le seum. Magasin est fermé à quelle heure? Ça dépend de la taille du magasin, enfin l'amélioration du magasin que t'as, et ça dépend si tu as l'arrêté pour les heures tardives. En général, c'est entre 21h et 23h. Je sais qu'il faut que j'arrête de courir, mais le problème, c'est que si je cours pas, on est encore là dans 5h. Petit sans rien. Je crois que s'il ferme à 21h, soit 22h. De toute façon, tu le vois, clique sur le petit panneau à côté de la porte d'entrée et normalement, ça te dit l'heure à laquelle ça ferme. Il y a un moustique là. Ah non. Fais le tour de l'île pour être sûr que ça... Regardez la maudite punaise là, elle prend un taux de pop. Ouais, chez moi c'est 23h parce que j'ai l'arrêté comme quoi il ferme plus tard. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et vous savez que ça se mange? Il y a des gens qui mangent ce genre de truc.
Ah, autant j'ai déjà mangé des insectes, j'ai mangé des vers de farine notamment, j'ai mangé des vers à soie, j'ai mangé des sauterelles, j'ai mangé quoi encore ? Des grillons. On a l'arrêté. C'est qu'une fois que t'as les 3 étoiles, si je dis pas de bêtises. Il faut parler à Marie. Parle à Marie et tu peux lui dire de mettre l'arrêté truc tardif. Du coup, ils ouvrent un peu. Les magasins vous ouvrent plus tard, mais ferment plus tard. Alors, il y a une espèce de bestiole chelou qui a volé sur mon écran. Oh là là. En fait, c'est que je m'approche trop. Mais moi, je veux le scarabée, Hercule. Ou donnez-moi des requins. La dernière fois, c'était foutu. On a eu quand même tous les scarabées de la saison. Bah, sauf celui que je veux, bien entendu. Et on a eu des requins. D'ailleurs, on en avait raté beaucoup. Il y a un moustique, là. Il prend le taux de pop. Ah, pique-moi. Tu sais quoi? Pique-moi, j'ai la flemme que tu peux le capturer. Il se fait bully, mon personnage. Doucement, là il y a un scarabée. Alors là, le scarabée, vas-y pour le choper. Je vois pas. Là. Parfait. Oui, c'est capturé. Oui, tes poches sont pleines. Relâche la proie. Là, il y en a pas. Là non plus. Ou est-ce que selon vous, les gens dans le chat, est-ce que je vais le capturer, ce modus scarabée, aujourd'hui? Pour l'instant, c'est un peu mal parti. Je dois arrêter de courir, je sais. Attendez, il y a un requin. Bon, c'était un Goliath. C'est 8000... Non, c'était pas celui-là. C'était 8000 clochettes quand même. Ah, par contre, les requins, quand t'es pas devant... Ah, sa grand-mère. Il l'a pas vu. Tourne ta tête. Oh le... Quel chouin. Et coucou Yasu. Sors de mon lurk pour te remercier. Grâce à la technique, je viens d'attraper un scorpion. Bah trop bien. Trop bien. Bah content que ça t'ait servi. J'ai pas envie de courir, mais tu n'arrêtes pas de courir sur la plage. Requin, ça vibre fort. On l'a déjà. Alors celui-là, on va l'échanger, on va pas le relâcher. 8000 clochettes, je crois. Ou 10000, j'ai un doute. Vous voyez la technique des la technique des scarabées, elle marche bien hein, quand même. Hein. Changer l'heure, c'est bon. Oui, tu peux aussi faire ça. Alors, on va refaire vite fait un tour de l'île pour voir s'il n'y a pas un truc à popper. On ne voudrait pas. Ah, voilà. Ah bon, ça. Pas de punaise d'eau. Non. En tout cas, ce sera fructueux en termes de clochettes. C'est ce qu'il faut se dire. Ah non, là il n'y a rien. Ah non plus, je pense qu'il faut... Si je vais de l'autre côté, il y a... Ouais, de nuit, Animal Crossing, c'est très apaisant. Ah merde.
Alors lui, c'est quoi déjà? Eh ben, je ne sais pas. On va l'échanger contre ça, je crois que c'est le même. On s'en fiche du coup. Vraiment moi j'adore, moi c'est Animal, comme j'ai déjà dit, hein, Animal Crossing genre en automne. La tombée de la nuit en automne, ah oh, trop bien. Ah j'ai vu un moustique là-bas. On bouge. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h, 22h30 je pense ce soir. Peut-être un peu, faire un peu d'heure sup. La cendelle elle va bouger, voilà. On avait un petit moustique là-bas, on va... Tiens, pique-moi. Vas-y. Il m'a pas vu l'abruti, si c'est bon. Il aurait mis 1000 ans à me piquer. Alors. Ah, il y a une punaise. Ah putain, je peux pas la choper. Alors, je fais ça, je vais encore y arriver. L'étoile filante, c'est sympa. Mais en vrai, enfin, c'est très vite relou. T'attends, tu spammes le bouton. Attends, bah, oui, le bruit du moustique, il est vraiment ressemblant. Hein. Alors j'ai capturé un insecte, l'autre il a eu trop peur, il s'est barré. Il a fait non, top, 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 top. Moi je m'en vais. Alors si vous savez, je vous dise. Vous savez, hier je vous avais dit que j'avais pas mangé avant le stream. Bon d'ailleurs, spoiler là, ce soir aussi. Et j'avais dit que j'avais plus grand chose dans mon frigo. Mais j'ai tenté les vermicelles de riz avec une espèce de sauce curry que j'avais chez moi. C'était ignoble. C'était pas bon. Alors j'ai mangé pour pas gâcher. C'était clairement pas bon. En fait, c'était du curry. Et pourtant, c'est du curry masala. Mais ça allait pas du tout avec les pâtes de... avec les vermicelles de riz. C'était un goût, c'était vraiment bizarre. J'ai même cru d'ailleurs que, que le curry était périmé et j'ai regardé pas du tout. Ah, vraiment, je conseille pas. Vermicelles de riz avec une sauce curry masala. Non, non. Moi, ma déco de ma chambre, c'est l'ensemble des fonds marins avec des aquariums comme lumière. Oh, trop bien! Bouge-toi. Bonjour, on voudrait des scorpions. Des insectes rares. Pas celui-là, mais. Oui. Je sais pas à combien je suis de créatures capturées là. Vraiment, cette théorie des 100, j'y crois. Ça m'aide écologiquement à tenir. On va têcher le moustique. Je pense que le ratio pour les poissons, c'est pareil que pour les insectes. Il y a un ratio aussi pour les poissons sur le guide officiel. Oh, j'ai trop le seum. Le scarabée éléphant, il s'est encore barré. Je l'ai déjà, hein. Mais lui, il a une vision, mais alors, il te voit à 1000 km. Pourtant, j'étais loin. C'est loin et j'ai marché. I have the sum. Et coucou Shiyoko, comment tu vas? Alors parfait, yes. Du coup ce soir je vais manger juste des pâtes. Je vais pas me prendre la tête. Là, je vais pas faire des courses. Je m'en vais pendant 4 jours, donc aucun intérêt. Juste acheter de quoi nourrir Noxie pendant les 4 jours où quelqu'un va venir s'occuper d'elle. Et puis voilà.
Reviens, petite punaise d'eau. De toute façon, c'est sûr, je vais passer de l'autre côté, elle va switcher. Allez, toi, bah écoute, ça va. J'ai encore un peu fait des choses que je devais faire dans ma to-do list. Quasiment tout fini. Hop. Vas-y, pique-moi le moustique. Hop. Du coup, bah, on continue notre chasse au scarabée. Bon, d'ailleurs, j'ai pas parlé de scorpion. En fait, on a capturé un. Il y en a un, il s'est suicidé. Genre, littéralement, on l'a vu se jeter dans la rivière. On a capturé un petit requin marteau. Et trois scarabées éléphants se sont enfuis alors que je ne courais pas. Juste, il a une vision périphérique, ce machin, et il te voit, mais genre à 1000 km. Ah, bah, comme lui. Là-bas, il y a quoi? J'ai vu un scorpion. Je crois que c'est un scorpion lambda. Un scorpion. Ah, un scarabée. Parfait. Ah, hop là. Elle va. Ah, j'ai cru qu'elle allait tomber dans l'eau. Oust. Alors, je ferai moins le malin quand je vais courir comme ça, que je vais tomber nez à nez avec un scorpion. Ah, tiens. Tout à l'heure, j'ai capturé un insecte comme ça, un scarabée. Et tu sais pas pourquoi le scarabée qui était genre derrière, mais vraiment au fond derrière, il s'est enfui, il a eu trop peur. Voilà. La fenêtre, je ne mourrai pas ce soir. Voilà. J'ai quand même l'impression que j'ai mes outils qui sont incassables. Hein. Alors ma pelle, je sais pas pourquoi c'est cassé du coup. Mais ça fait longtemps que je capture avec mon filet, et il s'est toujours pas cassé. Alors ça, je vais me porter la poisse et là, il va se casser. Ou lui, alors lui, c'est sûr, on va le récupérer parce que lui, il coûte très cher. Lui, il coûte 8000 clochettes. Voilà. De capture pour la stat. Non. Relâche la proie. Alors j'ai vu qu'il y avait un espèce de scarabée là-bas. Je sais pas si je peux le capturer quand. Non. C'est débile de tester. Hop. Oust, ouais, oust aussi. Parez-vous les poissons. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est le taux d'apparition de poissons dans les rivières, dans les îles comme ça. Par contre, pour farmer les poissons aussi, ces îles-là, c'est les meilleures. Enfin, les îles tout court. Scarabée du Japon, je sais pas si ça s'appelle comme ça dans la vraie vie, c'est possible. Mais moi je veux le scorpion. Oh le scorpion, putain je vais y arriver. Hein. Moi je veux le scarabée, pardon. Yes. Changer. On va l'échanger. Attendez. Parce que ça coûte Lucan Miyama. Miyama. Là. Elle coûte 1000 pochettes. Ah mais oui, mais non, en fait, vaut mieux que je garde ça. Réserve clochette, les rivières des îles. Si vous attrapez que les très gros, je crois qu'ils valent tous très cher. C'est vrai que je fais pas gaffe à la taille des poissons dans les rivières, faudrait que je fasse attention. Allez, si je capture celui-là, ça va faire fuir l'autre à droite. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure.
La plupart des bars, c'est les grands. Ouais, les bars, c'est chiant. Alors après, les très gros, vraiment les très grosses ombres, vous êtes sur du très 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 cher. Genre, le poisson, un des poissons les plus chers du jeu et le plus rare. Parce que celui-là, j'ai mis enfin, vraiment plusieurs semaines avant de l'avoir. L'arapaima, 10 000 clochettes. L'arowana, qui a 10 000 clochettes. Et il y en a un autre, là, un poisson préhistorique, je sais plus c'est lequel. Toute la peau du cul aussi. Ouais, non, les poissons de... Oui, oui. Ah, vas-y, pique-moi, mange-moi, tue-moi. Non, finisse. Attendez, ça se trouve, c'est un piranha, ça. Ah, Noxy est là. Et mon chat. Et pourtant, il reste une bonne demi-heure de stream. Pourquoi t'es là? Oh, un chat. Un poisson lanterne, ça coûte cher aussi. Gentil, je le rejette à l'eau. Vous avez vu, j'ai vu. L'ice bar, on s'en fout. On va tenter de le capturer. Mais il est à un endroit. C'est trop en chier pour le jeu. On l'a vu. Et merci Wendy pour, pour un centime. Merci beaucoup. Je vous ai accueilli avec la musique de Agatha All Along. J'espère que tu vas bien. Hop. On est en pleine chasse au scarabée. Et je cherche le scarabée Hercule. Qui est un des plus rares du jeu. Voilà. Du coup, j'ai optimisé une île. Et j'essaye de le faire pop. Pour l'instant, c'est pas très fructueux. Un scarabée nul. Pour lui. Relâcher. On a quand même eu deux scarabées éléphants qu'on popé et un et deux goliaths. Je crois en toi, tu l'auras. Bon, je viens de faire un inventaire de ma palle. Et je viens de faire encore engueuler parce que je ne sors pas. Bah alors. Le papillon, je sais pas, mais il coûte cher, je crois. Pas tous les prix en tête. Après, là, j'ai assez online qui me le dit combien coûtent les trucs. Noxy, eh ? Il coûte 3000. Ouais. Je confirme, je viens de voir sur le site. Qu'est-ce que t'as, Miolo, toi ? Tu veux te battre ? Laticus Atlas. Il n'est pas encore dispo, Laticus Atlas, je crois. Laticus Atlas, il est au mois d'août, il me semble. Il me semble pas qu'on l'ait au mois de juillet. J'ai vu qu'il y avait un moustique là-bas. Il relâche les insectes. J'ai plus de place dans mon inventaire en fait parce que je cherche des insectes en particulier. Tout simplement. Ah bah celui-là il s'est enfui, très bien. Il y a plein de sites super pour avoir les prix, les horaires et les endroits de spawn. Oui, je confirme. Bah, c'est le site que j'utilise là, j'en ai un que j'utilise. Toi, on te fait échapper, toi aussi. J'ai vu un moustique tout à l'heure, faut qu'il soit on le capture, soit on le fait fuir. Ah, il y a une punaise d'eau. Voilà. En vrai, c'est chiant de ne pas pouvoir stocker plus.
Et attends, on peut pas stocker plus, c'est le premier jeu où on peut augmenter notre inventaire hein, dans Animal Crossing, parce qu'avant on pouvait pas, hein. Avant on avait que deux lignes, ou trois. Et là on en a quatre, c'est nouveau. La Ticus Atlas est dispo. Le Scarabée Atlas tu veux dire? Noir, ouais. Par contre Atticus, non, je crois pas qu'il s'appelle comme ça. Bonjour, on voudrait... Là, on est à 40. 40 quoi? Insecte capturé? Non. Que ça? Elle est là. Ah, tu m'as... Donc, ça m'a trop fait peur. Elle m'a tapoté le bras. Enfin, le... Si, le bras. Je m'y attendais pas. Oh, lui, il coûte cher. Par ici, la monnaie. Oui, non, si. Vu des carrés, j'ai compris. Hop là. Pourquoi les navets pourris le mercredi? Mais les navets ont pourri le mercredi. T'as fait un time travel en arrière? Si t'as fait un time travel en arrière, c'est pour ça. Ou alors, il faut pas que... les navets, tu les achètes le dimanche. Alors, bah, c'est pour ça. Un time travel en arrière, pourri, ça fait pourrir automatiquement tes navets. Faut le savoir. C'est pour ça que c'est très risqué de faire du time travel. Quand tu fais du time travel, tu peux le faire que en avant et il faut pas que tu dépasses le dimanche d'après. Ah! Est-ce que je vais réussir à le choper? Ça fait trois fois qu'il me... J'arrête de me griffer. Yes, on l'a eu. Oui, mais t'es chiant à me griffer, toi. Relou, va. Je coupe les griffes de Noxy. Mais bon, couper les griffes tout seul de ce chat, j'avoue que c'est compliqué. Et coucou Jinx, comment tu vas? On avait pour 1 million. Ah bah oui, non, bah, faut faire super gaffe. Hein. C'est pour ça que c'est ultra risqué de faire du time travel. Hein. Ne jamais faire du time travel en arrière avec les navets. En fait, quand tu fais du time travel en avant, le jeu ne détecte pas que tu triches. Par contre, quand tu time travel en arrière, le jeu le détecte. C'est pour ça que c'est risqué aussi de faire du time travel. D'une, de le faire pourrir, mais surtout, c'est si tu fais du time travel jusqu'au dimanche, et bah du coup, tu perds. Il y avait un moustique, je l'ai entendu. Toi aussi, t'as un sacré gros moustique, Noxy, qui miaule. Attends, je sors du ciné, je viens de voir le Comte de Monte Cristo, MG, c'était incroyable. J'avoue, moi, ça me tente pas spécialement. Après, j'ai un problème, j'aime pas trop les films français en général, je m'ennuie comme un rabat. Mais j'en entends du bien. Mais là, le seul film que j'ai envie d'aller voir, c'est Deadpool. Oh merde. Le time travel, c'est quand tu avances de manière artificielle l'âge de ta, enfin, l'heure de ta console. Et il y a combien? Il y a le scarabée là, boost. Celui-là. Et en fait, quand tu avances l'heure de ta console ou la journée dans la console, et bah du coup, ça avance dans le jeu aussi. Bah Deadpool 3, c'est pas possible, il est pas encore sorti. Le 1 et le 2, oui, mais pas le 3. Oh non! Je suis trop con, il coûte trop cher celui-là. Wow, 6000. Oui, alors sur Disney Dreamlight Valley, ne faites jamais de time travel, parce que là-bas, c'est ultra punitif. Ah oui, hein, je vous le dis aussi. Hein. D'ailleurs, à mon avis, je suis con. J'ai pas réservé ma place. Attendez. Je vais réserver ma place tout de suite. Et à mon avis, c'est mort. Ah ouais. J'aurais pu réserver ma place depuis longtemps, j'ai oublié. Mais pas PayPal, n'importe quoi, je veux pas. C'est pas T. Là. Il y a une avant-première?
Alors attendez, parce que là je viens de voir quelque chose. Je viens de voir quelque chose de fort intéressant. Il y a l'avant-première le mardi à minuit. En vrai, je serais un peu fatigué pour aller au travail, mais au moins, je pourrais streamer. Je suis sûr qu'il n'y a plus de place. Quoi ? Oh, mais il reste masse de place ! Bah, en vrai, attendez, en IMAX en plus. Ah, ça va coûter 1 balle, ça va me coûter. Ah, il n'y a pas la place que je prends habituellement. J'ai trop le seum. Bah, attends, on va prendre celle-là. J'ai compris. Oh 24 balles 60. 24 balles 60. Mais ça a méga augmenté. Avant c'était 20 balles 60. Attendez. Oui. Si j'y vais le lendemain. Parce que bon, calmons-nous quand même. Je regarde, sait-on jamais, le mercredi. Il n'y a pas ma place de dispo non plus, c'est pas grave, on va faire celle-là par exemple. Si, c'est celle-là en plus que je prends. Oh, 20 balles, 24 balles 60, ils ont augmenté les prix. Tarif étudiant, 20 balles. Alors c'est pour l'IMAX. Hein. Mais bon, j'estime que ce genre de film, il faut aller voir en IMAX. Franchement. J'ai envie de dire, on n'a qu'une vie. En plus, c'est sûr, il n'y aura pas d'enfants. Et il n'y aura pas les gens relous, là, qui passent leur temps à parler pendant le film. Il n'y aura que les fans à cette heure-là. Attendez, excusez-moi, je passe commande. Tantadam. Avec un peu de chance, ça va faire venir les scarabées. Oh, ça y est, c'est réservé. Oui, ajouté. Et normalement, je peux annuler ma réservation si jamais j'ai un empêchement. Mais du coup, je pourrais y aller après le stream, donc ça, c'est cool. Billet. Ouais, je peux annuler la réservation s'il faut. Mercredi. Et du coup, bah ouais, mercredi 7 à minuit, donc ça veut dire mardi, quoi. Trop bien! Ah parce que je sens que ça va retourner le MCU. Je crois qu'on est clairement pas prêt. Et j'ai trop peur des spoils. Donc clairement, c'est très bien que j'y aille le mardi. Fameux rendez-vous chez le dentiste, carrément. Voilà, en première, minuit, un sale. Ice, c'est 10,50€. Oui, bah ça va. C'est quoi d'ailleurs une salle Ice? Non mais Orléans, il se touche. Le problème, c'est qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi c'est horrible. À Orléans, dans les alentours, il n'y a aucun cinéma autre que les cinémas Gaumont-Pathé. Du coup, ils peuvent augmenter les prix comme ils veulent. Ils s'en foutent. Parce que soit tu n'y vas plus du tout, soit quand tu vas aller voir les films, et bah t'as pas le choix, t'es obligé d'aller chez eux. Avant, la Sensimax, c'était 18 balles. Maintenant, c'est passé à 24. 24€ pour ce prix-là, j'ai le Blu-ray. C'est vraiment parce que c'est Deadpool. Hein. L'intérêt de me retourner le cerveau au ce film. Mais t'es dit, ouais, je vais prendre des pop-corn, je vais prendre une boisson. C'est la salle première du méga CGR. Je sais, mais première, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est que c'est. T'as des trucs en plus ou pas? Parce que moi, là, par exemple, j'ai payé 24 balles, mais c'est la salle en IMAX 3D, quoi. Donc bon, je paye pas pour la salle classique, moi, enfin bon, même comme ça. Je sais qu'il allait s'échapper. Par contre, beaucoup d'insectes là. Yes! Ah.
T'aurais pu me prévenir quand j'ai dit que j'allais reculer de l'heure. Mais j'ai pas fait gaffe quand tu... Enfin, j'ai pas... Tu l'as dit dans le chat ? J'avoue, j'ai pas dû voir. Parce que quand moi j'ai vu que t'avais... Je vais changer l'heure, je pensais que t'avais changé d'une journée. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. Oh ! D'accord. Ça va avec le son, un jeu et des écrans, des jeux de lumière. Là, je vais venir par chez toi, hein, ça me coûtera moins cher de cinéma. Ah, oh, mais quel con. Là, décidément, je veux pas le capturer. Il y en a un là. Bon, moi je commence à désespérer. Là, moi j'ai peur qu'on ne l'aille pas ce soir encore. Et on l'a pas vu du tout. Mais déménage. Attendez, je vends l'appart déjà, je vais acheter une maison. Ah 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 ah, il y a une l'algie, il faut l'enlever. Oh, mais donc si. Elle me tournait autour tout à l'heure. J'ai le seum. Ils sont encore de l'autre côté, tous les scarabées. On a un là. J'ai le seum, c'est tout le temps les mêmes. La technique est efficace. On en a plein, mais. Coucou Lilou, comment tu vas? Ah, il y a un scarabée là-bas au sol qu'il faudra enlever. Du coup, je me suis mis sur la scène. Le début de la fin. Du coup, t'as fait quoi? T'as reset ou tu refais ton île? Ou tu redécouvres ton île si tu as oublié à quoi elle ressemble? Il y a un moustique là-bas, je le vois. La première fois que je te regarde, j'adore déjà tes lives, merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y avait un scarabée là-haut. J'hésite entre jouer à SNH et regarder le Roi Lion. J'ai peur de chialer. Le dessin animé ou le film? Et bonsoir Kashi. Je vais faire les deux, tu peux faire les deux. Je redécouvre, mais il y a un gros chantier foutu, mauvaise herbe. Si t'as l'île de Joe avec Racine, tu peux le payer pour qu'il te les enlève. Je débarque à la fin de la routine. T'inquiète, je vais streamer jusqu'à 22h30, je pense, ce soir. Le dessin animé. Ah, oh, ça fait des années que j'ai pas vu le dessin animé. Bon, vraiment, vraiment des années. Je fais une nouvelle famille Sims. Oh bah bon courage. Mais donnez-moi les insectes que je veux. J'avoue. En fait, on a mis du temps à faire l'île à farmer, donc. Par contre, on est. Je pense que mes outils sont incassables. Hein. Parce que là, j'ai. Voilà. Je vais faire découvrir Lumka. Mais oui, Lumka, c'est ma meilleure amie d'enfance. C'est la fameuse amie que je connais depuis le premier jour de la maternelle. Ah. Ouh là là, attendez, il y a du cher là. Ouais, t'es sûr. Et j'ai un autre cher qui est là-bas. Parfait. À quand le prochain Serre du Valais si t'en fais un? J'en fais un. Alors du coup, ça sera pas vendredi là, puisque je ne serai pas là, je serai dans le train. Le prochain stream Serre du Valais sera vendredi de la semaine prochaine. On a toujours pas l'insecte qui me manque. Inoxy. Attendez, je vais juste voir ce que veut Noxy. Ah bah attendez, il y a une maudite.
Je reviens tout de suite, je vais juste voir ce que veut Noxy. Je reviens. Oui, qu'est-ce que t'as ? Oui. Excusez-moi. Hop là. Alors Noxy, elle s'est vexée parce que dans la cuisine, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai fait une attaque de bisous et elle aime pas ça. Du coup, elle s'est barrée, elle fait la gueule. Bon alors. Je pense qu'on va pas l'avoir. Hein. Je vais avoir trop le seum. On a H24 les mêmes en plus. Bah voilà, en plus je les rate. Oh oh. C'est le Atlas celui-là, je crois. Attendez, c'est pas celui que je veux. Non, c'est le Atlas. C'est le Atlas, je crois. Oui, c'est le Atlas. J'étais en mode paniqué, là. Parfait. Ok, bon, le Atlas, il est capturé. On l'avait déjà, mais... On va le revendre, ça fera des clochettes. Oh, mais regardez. Hey, on commence à avoir pas mal de petits scarabées rares hein, qui commencent à popper. Parfait. 8000 clochettes. De la thunasse contre toi. On te capture juste pour la bienséance. On va te relâcher aussi sec. Voilà, au revoir. Alors, j'ai vu que là-bas, il y avait un mini scarabée violet et un moustique. Voilà. Alors, toi, tu bouges. Voilà, parfait. Par contre, plus de scorpion. J'ai une spirale, ah bah, comme celle que j'ai, là. Elles sont pratiques pour farmer un peu comme je fais. H24, les mêmes insectes. Parfait. Au moins ça augmente mon skill en capture d'insectes. D'ailleurs, il n'y a pas de récompense là-dessus, mais vous avez dû le voir normalement. Il y a une récompense qui s'appelle chaîne de pêche, chaîne de poisson, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais en gros, vous devez capturer 100 poissons d'affilée sans jamais rater une prise. Il est dur cet objectif. Il faut être full concentré. Et le pro. Et alors, je me suis toujours dit, heureusement qu'il ne faisait pas ça pour les insectes. Elle a l'air vachement grosse, poisson. Parce qu'imaginez, dès que vous faites cuire un poisson, bim, ça casse la chaîne. Bon, ça, c'est un bar, j'en suis sûr, mais on sait jamais. Bah, on le saura jamais. Et coucou Camille, comment tu vas? On ne saura jamais ce qu'il y avait ici. Imagine, tu... Bah, c'est ça, tu rates le 99e.
Techniquement pas possible pour les insectes de faire ça. Bah oui, c'est pour ça. Et bien et toi? Bah écoute, ça va, toujours en recherche de ce beau 10 scarabées, scarabée. Je viens de perdre le nom, scarabée Hercule. Que l'on ne trouve pas, voilà. Il ne veut pas apparaître, on l'a même pas encore vu. Donc on a le seum. Au moment, on a capturé un scorpion qu'on n'avait pas. On a scarabée, on a capturé des scarabées qui coûtent cher. Je l'ai fait fuir en plus. Bah, Okami, il m'est arrivé la même chose la semaine dernière. Je l'ai fait fuir deux fois. J'avais le seum. Je trouve ça un requin. Là non. C'est bizarre, il n'y a que ça comme insecte qui pop. Je pense qu'il y a des insectes qui sont cachés quelque part. Si relou. Franchement, t'as tellement le seum. Après là, normalement, j'ai la diseuse de Bonne Aventure qui m'a dit que mes outils étaient incassables. Parce que là, j'ai capturé tellement d'insectes depuis tout à l'heure. Et ça s'est toujours pas cassé. Non, non, je vais pas les changer non. Ouais, il doit y avoir des insectes quelque part, parce que là, ça... Hop. Bah là, il y en avait un là. Il n'y a pas d'éligie. Non. Peut-être ici encore. Non. Il n'y a pas des punaises d'eau, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Ça bouge. Ah, il y a un moustique. Vas-y, pique-moi. Parfait. Ça, c'est, je sais pas si vous c'est pareil des fois en été. Alors je me fais rarement piquer par des moustiques parce que généralement les moustiques ne m'aiment pas. Mais des fois quand il y en a un, alors c'est, comme je dis, c'est très rare que j'ai des moustiques dans mon appart. Et des fois quand j'en ai, et vous savez celui qui tourne autour de votre oreille quand vous voulez vous essayer de vous endormir là, qui est trop chiant. Bon, au bout d'un moment j'en ai tellement marre, j'arrive pas à le buter parce que je le vois pas, je le trouve pas. Je me laisse piquer. Je dis je bouge plus. Je me laisse piquer, je m'en fous. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui font ça aussi, genre en mode c'est pas grave, pique-moi, mange-moi, je m'en fous. Ça vaut quoi, Ligi? Alors là, je sais pas du tout. Mais je crois que ça vaut que dalle. Ah merde. Bon. Il nous reste 30 minutes de stream et j'ai fort l'impression qu'on va pas l'avoir ce maudit scarabée. Ah, moi je fais la guerre quitte à ne pas dormir. Bah, soit je prends, alors j'ai pas forcément d'insectes ici, mais soit je prends mon déo et j'asperge la pièce. Ça, c'est ce que je peux faire, mais bon. En parlant de ça, j'ai fait ça, il y avait une énorme araignée dans mes toilettes. Mais quand je dis une énorme, c'est celle avec le cul qui est un peu relevé là. Vraiment, elle était pas belle. Hein. Et le problème, c'est qu'elle était sur les tuyaux. En fait, j'ai des tuyaux de chauffage qui apparaissent dans mon appart. Et les tuyaux, en fait, elle était dessus. Donc en fait, je pouvais pas la taper. Parce que ça aurait été un coup à ce qu'elle tombe. Et comme c'est les toilettes font 1 mètre carré. Donc elle me tombait dessus. Du coup, je l'ai d'abord aspergé avec mon déo pour l'assommer un peu. Après, j'ai pris mon chausson, j'ai tapé à côté d'elle, parce qu'elle était vraiment énorme, hein, vraiment, c'était dégueulasse. Du coup, elle est tombée au sol en faisant un petit, le petit bruit de... Ah là, comme ça. Vous savez, quand vous entendez l'araignée tomber au sol, c'est-à-dire qu'elle est grosse. Et là, elle s'est pris un coup de chausson. Oui, je sais, c'est pas bien, faut pas tuer les araignées. Tu rentres chez moi, sans ma permission, je te tue. C'est tout. Il n'y a pas d'excuse. Genre, il y a des parties communes dans mon immeuble. Voilà, si tu veux vivre, tu vas dans les parties communes, il n'y a pas de problème. Mais chez moi, tu rentres pas.
D'ailleurs, pareil, ça, je viens de tilter, ça y est, ça m'en revient en tête. Hier, on parlait, vous savez, que j'avais binge-watché la série Sex and the City, que j'avais beaucoup aimé, qui était très avant-gardiste pour l'époque, même si elle est quelque peu problématique aujourd'hui sur certains points, et que j'avais regardé les films. Et que j'étais un peu dégoûté parce que je me sentais un peu vide et que ça. On m'avait dit qu'il y a eu un reboot, qui est d'ailleurs la suite. J'ai regardé. Mais Choupi, regarde au pire sur internet, t'as tout sur internet. Ah mais il y a Bernard Lhermitte là. Et du coup j'ai regardé le premier épisode du reboot de Sex and the City, d'ailleurs qui s'appelle Just Like That. Je spoilerai pas. Hein. Mais c'est quoi cette fin? Premier épisode là? Genre je suis pas d'accord. Ah non, c'est pas nul. Alors, il n'y a pas le personnage de Samantha. Et alors, c'est expliqué de manière totalement stupide du pourquoi et du comment elle n'est pas là. Mais apparemment, elle sera là plus tard. Voilà. De ce que j'ai appris. Ah non, c'est pas ça. C'est qu'il se passe un truc de bâtard à la fin du dernier épisode. T'es en mode... Et genre, t'es en mode... Quoi? Moi je suis en mode mais quoi, mais je suis pas d'accord, du coup là je vais regarder l'épisode 2 après le stream. Mais disons qu'en fait ils ont touché à un monument de Sex Education, de Sex and the City pardon. Et vraiment je suis en mode mais what the fuck, pourquoi ils ont fait ça? Donc beaucoup d'insectes et de poissons. Ah, j'ai pas été très assidu dans mes parties Animal Crossing lors des différents mois là. En vrai, en insectes, on a beaucoup complété en vrai. En insectes, j'ai beaucoup complété. En poissons, j'ai pas beaucoup complété. Par contre, les poissons, il m'en manque plein. Voilà. Et en créatures marines, pareil, il faut que je complète là. Sur ma partie personnelle, j'ai tout à 100%. J'ai tout capturé. Non, je l'ai pas capturé. Oh! Attends, il y a du beau scarabée là. Il y a du scarabée de compétition. C'est pas celui-là qu'il me faut, mais il est très beau. Oh, j'ai trop le seum. Et lui, ça fait 3 fois que je le rate. Ah, tu vois, c'est lui, techniquement. C'est presque lui, sauf qu'au lieu d'avoir le corps entièrement noir, il a la partie jaune sur la partie basse du corps. Les poissons, c'est galère vu qu'on voit que les ombres. À voir avant qu'on. Oui, c'est ça. Du coup, c'est relou comparé aux insectes. D'accord. Pourquoi j'ai entendu un deuxième insecte s'envoler? On fait le tour, y a rien. Et ça a dû popper de l'autre côté, du coup. Bonjour, nous cherchons juste le scarabée Hercule, s'il vous plaît. Et non pas des scarabées nuls comme celui-ci. Voilà. On fait fuir. Bon, je voulais le capturer, mais c'est pas grave. Petit scarabée. Ouh, on a le scarabée papillon. Non mais alors là moi j'y arrive plus, pas concentré, pas grave. De toute façon il faut les faire fuir pour. Ouais. Attendez là-bas. Pas oust. Bourrin, moi je suis allé un peu en mode bourrin. Y a plus le time. Je ne suis plus patient. Ah là, regarde, c'est tous ces trucs là qui prennent les taux de pop. Déplorable. Là. Oh là là. Bon, lui, on s'en fout. Oust. Toi aussi. À chaque fois, cette branche-là, j'ai l'impression que c'est un scorpion.
Là non. Oh là là. Ah, il y a un moustique. Vas-y, viens me piquer le moustique. Viens, viens, viens. Je vais te capturer. Voilà. Moi, je... il nous reste encore 30 minutes de stream. On fait un peu d'heure sup ce soir. Mais pour moi, je pense que c'est mort. Après, on va retourner sur notre île et bim, il va pop. C'est ce qui est arrivé la dernière fois. Il y en a un, on l'a perdu en revenant sur l'île après avoir fait les... Bah, essayer de le capturer comme ça, d'accord. Et bien il avait popé sur l'île, sauf que j'ai couru bêtement et il a dépopé. Forcément, il s'est envolé. Yes. Après, en vrai de vrai, avoir ce scorpion devant... Enfin, ce scorpion, cette bestiole devant moi, je serais pas... Je serais pas serein. Il y a rien. On va refaire le tour. Il y a une... Je l'ai vu. Déjà, moi, je me suis déjà retrouvé nez à nez avec un scorpion. C'est petit, mais tu fais pas mal, hein. En même temps, vu la taille du bin, ça m'a tué, oui. Le pire, c'est l'araignée des cocotiers. Ou le crabe des cocotiers. Je vous laisse à regarder sur internet. Mais si vous êtes arachnophobe, évitez. Des araignées qui a en Australie, t'en souviens qu'en Australie pour avoir des bêtes aussi énormes, ça fait littéralement la taille de votre tête. Beaucoup de cher ce machin bleu. 3000 quand même. Les scorpions, ça arrive chez moi, tu soulèves des paniers à linge et surprise, tu quittes la ville encore pas de ça arrive. Ah, moi pour le coup, alors là il y en a pas, le scorpion il y en a pas. Et quand je suis allé au Mexique, quand j'allais vivre pendant 2 mois et demi au Mexique, tous les 2-3 jours j'avais un scorpion dans ma chaussure. D'ailleurs on nous disait expressément de dormir avec les chaussures dans notre chambre, mais retourner. Pour pas que les scorpions puissent monter dedans. Et que si, quoi qu'il arrive, tous les matins, avant de mettre vos chaussures, il fallait taper la chaussure au sol. Et le nombre de fois en tapant ma chaussure au sol qu'il y a un scorpion qui est sorti. Attendez, je commence à avoir plus trop de place pour les scorpions pas enfin pour les scorpions chers là. C'est agressif en plus. Ils finissent un apéro pour guêpe. Après cassage de gueule en règle. Oh, tu lui donnes à manger au guêpe toi carrément. Je le trouve gros ce poisson, mais il est pas gros en fait. Je suis sûr que c'est un bar. Mais pour m'ôter le truc. Noxy descendu du canap. Elle va miauler. Oh, de toute façon, je l'aurai jamais. Et coucou, toi. J'étais sûr qu'elle allait venir. Voilà, casse-toi. Mais attends, c'est quoi celui-là? Elle défonce certains types de chenilles envahissantes. Bon, écoute, t'es fantastique. Je l'avais pas? Ah, bah, je l'avais. Mais si, je l'avais. J'ai la Lucane Lamprima. Je sais plus qui tout à l'heure dans le chat avait dit qu'il la cherchait. Bah, du coup, je l'ai capturé. Je l'avais pas? Bah, si, je l'avais. Oh, 12 000 clochettes. Je l'ai déjà capturé. Je l'ai déjà capturé, il est là. Moi, ah bon bah voilà, je l'ai trouvé. Bon, toi, pousse. Donc si elle a compris que c'était bientôt la fin du stream, elle est allongée à côté de moi, elle m'attend. Et belle mon chat. Par contre, je sais pas combien d'insectes on a capturé depuis le début du stream, mais t'as peut-être 200. En plus, ça je le vois, hein, techniquement le nombre d'insectes que tu récupères, si tu vas là.
Chaque insecte attrapé est un insecte de moins pour venir faire frais. J'en ai capturé 403 sur les 500. Ça va faire un big apéro, je te jure. Après, en vrai, j'en ai pas capturé tant que ça. Hein. Quel moustique là, je t'ai vu. Alors, je suis plutôt team chat. Mais je ne me refuse pas l'idée d'un jour avoir un chien quand j'aurai ma maison. Mais un gros chien. Pas les petits. J'aime pas les petits chiens. Je déteste même d'ailleurs les petits chiens. Mais j'aime beaucoup les gros chiens. Oh ! Vous l'avez vu. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu. Il est là. Histoire, c'est que tu déconnes pas. On le voit pas. Attendez. On respire, il est là. On va y aller tout doucement. Oh, yes! C'est bon! On l'a eu! On l'a eu! C'est bon. En plus, il est trop beau. À la foutre. Attendez, faut que déjà que je le mette dans mon inventaire. Le dernier espace. Regardez, le dernier espace de scorpion pas cher. Ah, quoi, il y a encore celui-là. J'ai entendu un scorpion s'envoler, je m'en fous. Merci pour les applaudissements. Ça fait du bien. Vous savez quoi, la semaine prochaine sur Animal Crossing, on fait la même chose mais avec les poissons. Gaming, comment tu vas? Tu arrives pile au moment où j'ai capturé le scarabée qui manquait. C'est vrai qu'on a pu faire une prédiction, on me l'a demandé tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai oublié. Mais toi, bah écoute, ça va. Comme je disais, on fait un peu d'heure sup pour pouvoir capturer ce maudit insecte et on l'a capturé. Clochettes. En fait, c'est les scarabées super rares qui sont à 12 000. On a l'Hercule qui... Attends, c'est pas compliqué. Si je me mets dans tous les insectes. Les plus chers, c'est 12 000 de toute façon. Ouais. Donc, le plus cher, c'est le scarabée Hercule. D'ailleurs, on va le cocher. Juillet-août, on a... Ah, je l'ai pas celui-là. Le scarabée tout court. Alors, le pire, celui-là, il pop entre 23h et minuit. Ah, merci Fatih Popo, mais alors, petit souci, c'est qu'en fait, je vais bon, pire oui, si, vas-y, je vais couper le stream d'ici 15 minutes, mais oui, si tu veux. Quelle couleur tu veux? Dis-moi quelle couleur tu veux. Ouais, c'est 12 000, hein, les plus chers, c'est 12. Lucan Girafe, on l'a déjà. Le Lucan Lamprima, on l'a aussi. Niveau insectes, on a tous les insectes les plus rares. La tarentule, on l'a, je crois. On l'a, la tarentule. La grave jaune chaleureux. Alors, on va essayer, parce que mes lampes, elles sont en train de mourir derrière. Alors, comme tu peux le constater, la jaune chaleureux à gauche et à droite, mais au milieu, tu as du vert. Je sais pas pourquoi. J'ai mes lampes qui sont en train de clamser. Du coup, bah, je suis désolé. Tu auras jaune, vert, jaune. Par contre, ce que je peux faire, si tu veux pour toi, c'est mettre ça en jaune chaleureux pour toi. Voilà. Ça le change, parce que je peux aussi changer le logo en vrai. J'arrive à le changer. Ah là, il est en orange. Voilà. Ça se casse la gueule, tes LED. Ouais, mes LED, elles sont en train de décéder.
Bah le néon, il a été offert, c'est un cadeau de, c'est mon cadeau de Noël de ma sœur et son copain. Je m'y attendais pas. Alors c'était dans ma liste de souhaits, mais je sais que ça coûte très cher ce genre de néon. Et du coup, je me doutais que personne allait un jour l'acheter, enfin moi tout seul. Et donc du coup, j'ai très surpris quand j'ai vu ça. Et en vrai, ça rend trop bien. En plus, j'ai fait en sorte que vous voyez pas le câble, qu'on le voit pas. Alors là, vous le voyez pas trop. Et là, vous le voyez mieux. Alors, si on voit un peu le câble, parce que la carte elle est tombée, mais il faut que je la refixe. Et voilà, ça rend bien. Hein. Merci Esteban pour le follow. Merci beaucoup. Attendez, on va faire la chose la plus agréable et satisfaisante. On va donner les scarabées à Tipou. Il va se pisser dessus parce qu'il a peur de ça. On a 8 follow aujourd'hui. Ah, j'ai plus de batterie sur ma tête. On va changer ça tout de suite. Hop. Ah bah oui, c'est vrai que tu les avais vus en plus, Fat. Tu les avais vus à Londres. Hop. Je suis fait becter par le scorpion. Il m'attendait, du piège. Et après, Thibault, les boutiques et les clochettes. Oui, 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 oui. Bah, c'est bien, ça m'a rapproché. Je me suis fait becter. En plus, j'ai voulu taper, hein, mais bon. Se faire piquer à la toute fin, c'est ça. Et dis-toi que la dernière fois, je cherchais le scarabée Hercule qu'on a, ça y est, enfin récupéré. Et au moment de finir le stream, je cours sur la plage. Et qu'est-ce que je fais? Il y a un scorpion, enfin il y a pas scorpion, il y a un scarabée qui est là. Et je le fais s'envoler. J'avais trop le seum. Vraiment à la toute fin du stream. Désolé, il me faut de la passion. Mais oui, attends, j'ai... Sur ton île privée, il est complet le musée. Oui, j'ai mis quasiment 3 ans pour le faire. En ne jouant pas pendant presque 6 mois. Et sans tricher. J'ai tous les poissons, j'ai tous les poissons, tous les insectes et tous les... Alors, le plus simple, on va se mentir, c'est le musée. Les fossiles. Les fossiles, c'est le plus rapide, vous pouvez le faire en moins d'un an facile. Vous jouez tous les jours, récupérer les 4-5 fossiles... Et avec les îles et tout, ça passe vite. Les poissons et les insectes, c'est compliqué. C'est un an de jeu quasiment, puisqu'il faut jouer à toutes les saisons et à toutes les heures, avec toutes les météos. Par contre, les œuvres d'art, c'est extrêmement long. C'est plus rapide maintenant, entre guillemets, grâce à Runar, depuis qu'il est avec ses caravanes sur l'île de Joe, puisque chaque jour, il vend 2 œuvres d'art. Achetez-en une tout le temps. Tous les jours, vous en achetez une. Même si vous l'avez déjà, même si vous savez que c'est 2 fausses, vous les achetez. Voilà. Et en fait, chaque jour, il va changer celle que vous avez achetée par une nouvelle. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez optimiser pour essayer d'en avoir le plus possible. S'entêter. Ok. Regardez, alors je sais pas si vous le savez, mais voilà. Sachez que quand vous capturez des insectes, toutes les nuits, vous avez des combats de scarabées. Et ça change toutes les nuits, c'est pas forcément les mêmes scarabées. Hop là. Le rouge, il est mort. Hop là. Je vais boire ma boisson. Bon, allez, on va faire encore 15 minutes, comme j'ai dit. J'ai jamais acheté une œuvre. J'avais déjà juste pour avoir une autre. C'est trop bête. Bah en fait, faut faire. Alors, dans le bateau, ça sert à rien. Par contre, sur. Vraiment, sur la. Sur la caravane, faut le faire. Ils sont trompés sur certains. Bah, moi, sur le site que j'utilise, j'ai pas de problème. Enfin, j'ai jamais de soucis. Vous voyez, vous pouvez constater que le musée ici, il est un peu vide. D'ailleurs, c'est quoi? On n'a pas été voir l'œuvre d'art de Runar. D'ailleurs, celle-ci là, cette œuvre d'art là, c'était la dernière qui me manquait sur mon île perso. J'ai mis 5 mois à l'avoir.
et elle ne voulait pas apparaître chez Runar. Quand elle a apparaissé, c'était tout le temps la fausse. J'ai mis 1000 ans à l'avoir, celle-là. Alors que, si je dis pas de curieux, celle-là, je crois que c'est une des premières que j'ai eues. Attendez, on va la retourner sur les deux jours, on va voir ce qu'ils vend. Mais ouais, c'est le petit tips. Ah, c'est comme tout à l'heure, j'ai appris à des gens, et je le savais peut-être pas. Peut-être que tu le sais pas, Fatih Popo, si t'as le DLC, sache que tous les jours, sans exception, tu as une bouteille à la mer échouée sur la plage, sur le DLC. Et en plus de ça, tu as également une recette de cuisine à aller récupérer dans la cuisine du restaurant. Tu parles au chef cuistot que t'as nommé, il te donne une recette de cuisine par jour. Je rêve où il y a un scorpion derrière l'arbre. Il y a un scorpion là. Deux fois. J'ai trop le seum. Merci beaucoup Nebula. Bah écoute, passe une bonne soirée. Bon appétit à toi du coup. Et puis bah à la prochaine avec grand plaisir. En plus, je me suis dit, ouais, c'est un scorpion, là. Vous voyez, vous jouez la nuit sur votre île, les scorpions vous faites buter. Hein. Je veux juste aller sur l'île de Joe. Genre, vous avez remarqué que chaque mission que je veux faire, là, je me fais tuer. Hein. J'ai voulu aller chez Thibou, je me suis fait buter. J'ai voulu aller récupérer, aller chez... sur l'île de Joe, je me fais buter. Là, après, une fois que l'île de Joe, on y va, on retourne ici vite fait et on va aller vendre les scarabées. Merde, c'est pas ça, c'est pas je veux voyager. Enlève ton filet. Tu peux te faire agresser par les insectes. T'es sûr? Je me suis déjà fait agresser, moi, je crois, par des scarabées, même sans filet. Il me semble pas que ça influe quoi que ce soit. Ou alors j'ai jamais fait gaffe. Oui, sur à 100%. Si pas de filet en main, les araignées sur le pont ne viennent pas vers toi. Oh, ok. Quoi que je teste, ça m'étonne. Ils pop pas, tu veux dire. Parce que t'as un filet ou pas, s'ils sont là, ils te butent. Je leur marche dessus. Ah ouais? Mais j'ai jamais fait gaffe. Alors, vous m'excuserez. Coucou Xena, comment tu vas? Je vais sortir une blague graveleuse. Mais on est d'accord que cette grenouille, elle a pas une tête à sucer que des glaçons. Voilà, c'était ma blague, je vais me cacher. Mais pourquoi je suis allé là? Moi, c'était l'île de Joe qu'il fallait que j'aille, mais je suis con. Voilà. On peut se faire des blagues nulles. Tu as raison. Elle suce des glaces aussi. Aussi. La tête à s'appeler Pamela, je te jure. Non, Pamela, c'est mono-sourcil. C'est mono-sourcil dans Animal Crossing. J'ai entendu un truc tomber. Voilà, Runar. La musique est très reposante chez Joe. Alors. Je sais plus les vrais défauts. Là, je vais pas vous mentir. Noxy, no, bah, Noxy quand t'as tombé, fait plus de bruit que ça. Œuvre d'art, Animal Crossing. Alors. À gauche, c'est peut-être la vraie. J'ai un doute. Là. À gauche, c'est la vraie. Ouais. C'est la vraie parce qu'il y a tous les bonhommes. Par contre, à droite, c'est une vraie ou pas? Le buste, je sais plus si c'est un vrai. J'ai un doute. Oh, j'ai les deux vrais! L'orthographe c'est avec un Y, mais t'inquiète. Les deux c'est des vrais, j'ai trop de la chance.
Faut acheter qu'une par jour par contre. Bah demain faut que je fasse l'effort de me connecter. Et j'achèterai celle-là. C'est con que je puisse pas l'acheter. Un poisson légendaire. Ah ouais? Je confirme, c'est une vraie. La fausse, il y a la boucle d'oreille. Ça me rend triste de... Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que quand vous cliquez là, vous pouvez acheter... Voilà. Des tickets et à l'intérieur, vous pouvez débloquer littéralement tout ce que... prennent les habitants dans leurs mains. Canette, donut, glace, livre, je crois aussi. Il y a plein de trucs à acheter là-dedans. Et je sais pas si vous le savez. Un cône à la fraise, voilà, par exemple. La mère, quoi, si tu peux, ok. C'est vrai, moi j'ai découvert ça, mais genre... au moins 6 mois après qu'on a eu l'île de Joe comme ça. Hein. Alors, il faut avoir terminé l'histoire, entre guillemets, donc il faut que tu aies eu Kéké qui soit venu sur ton île. Le lendemain ou le surlendemain, tu as du coup Joe qui va te dire que il veut faire des améliorations, je sais pas quoi, et donc du coup, tu pourras juste, à ce moment-là, acheter les caravanes au fur et à mesure. Ah, c'est que j'ai plus de place. Regardez, petit éventail. Et ça, je sais pas si vous le saviez. Faut cliquer là, en fait, et c'est aléatoire. Là, j'ai la petite glace. En plus, ça donne à bouffer. Voilà. Et ça, je sais qu'il y a plein de gens qui le savent pas. Alors, on rentre, on va vendre ce qu'on a à vendre. Oui. Alors, on peut également donner... Alors ça, je l'ai appris il y a pas longtemps non plus. Quand tu fais les vols comme ça, tu peux vendre à Maurice et... Je sais pas où il s'appelle. Enfin, bref, tu peux vendre les trucs à Dodo Airline. Ça, je ne le savais pas non plus. Il se met sur sa glace de sa poche. Alors, est-ce qu'on va se faire encore attaquer par un scorpion? Telle est la question. Là, quand même, il y a un moustique. Il y a un stick mou, je l'ai vu. Comment quand tu es sur l'île de Joe sur le DLC, tu cliques sur Maurice et tu lui parles et tu fais j'ai une c'est une liquidation je crois. Et merci Sissou, Sissou qui me raid à la fin de mon live. Coucou tout le monde, comment ça va? Comment est-ce que vous allez les perruches? Comment ça va tout le monde? Et merci God pour ton resub de niveau 2 au 14e mois. Je suis mute. Merci Hook pour le follow. Merci Michi du coup pour les 15 bits. Et merci Yoshi. Oui, c'est bon, c'est bon. Je ne suis plus mute. C'est bon, excusez-moi. Et bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Du coup, vous étiez sur quoi? Je crois que tu étais sur Amour Sucré. Pas les alertes. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas les alertes que je voulais mute en fait. Je voulais mettre un message dans le chat automatique. Ah, trop bien. Merci Pauline pour le follow. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Mister C, je fais de la construction sur les Sims habituellement. Mais là ce soir on est sur du Animal Crossing et on a enfin capturé l'insecte que je cherchais depuis 1000 ans. Je cherchais le scarabée Hercule qui est ultra rare dans le jeu et je l'ai chopé. Hop, du coup maintenant on va vendre tous les autres insectes qui ne servent à rien. On a déjà...
ça. Alors là, on va faire combien? 50 000? Minimum 50 000 en vrai. Hop. C'était fructueux. 120, 155 000. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Hop. Et oui, et bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. J'avais plus de son de micro, bah non, je suis emboulé. Mais ça, c'est les aléas du stream, que voulez-vous? Et coucou, Yushi. Alors, est-ce qu'on va encore se faire attaquer? Je ne sais pas. Alors, si vous voulez, on peut encore rester en stream une petite dizaine de minutes pour pas relancer un raid après le raid. J'allais couper, là. Littéralement, Sissou, tu m'as pris de court de 2 minutes. Je cherchais le scarabée Hercule. Le jaune et noir. Il est super. J'ai toujours galéré à l'avoir. Ouais. Il est trop chiant à choper, je trouve, le scarabée Hercule. Bah pour ceux qui me demandaient tout à l'heure, je peux vous faire une petite visite de mon île. Alors, elle est clairement pas... elle est clairement pas finie. Le Hercule, c'est lui. Voilà. Celui-ci. En plus, il est trop beau. Bonne soirée. Pas de soucis, Flark. Merci à toi d'être passé. Repose-toi bien. Et puis, à la prochaine, avec grand plaisir. Le prochain stream, c'est demain, 19h30, pour le Sims 4, pour la suite de la rénovation des mondes sur San Mishuno. Là, on a essayé de tenter de faire un petit coin de scène, mais ici, on va refaire, parce que j'aime pas trop. Oh, à la base, on devait enlever Mirza aujourd'hui. Mais comme je suis gentil, je vais pas l'enlever. Mais notre super Mr. C n'a pas désespéré, il a patienté, et en deux streams, il a désingué. Oui, je te jure, ouais. Je le voulais, ce maudit... Ah, je vais garder ma glace à la main. Oh, elle est trop choupinette. Je l'aime trop, Coco. Ah oui, bah j'ai un remède, donne-moi-en. Voilà. Alors, mon thème, c'est le thème... D'accord. C'est le thème japonais. Moi, je veux faire village japonais, mais un peu ambiance Ghibli, un peu creepy, vous voyez, un peu mon voisin Totoro. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas trop avancé. J'ai essayé de faire en sorte que toutes les maisons aient des jardins avec des plantations. Il y a Gulliver... Pour une fois, tu n'auras pas trop couru sur la plage. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour une fois. Ouais, je refasse la maison de Kali. Avec le DLC, on peut refaire les maisons des habitants. Coucou, Annabelle. La dernière fois, c'était compliqué. Oh ! Oui, mais c'était pour le spectacle. Quelqu'un invente des excuses. Oh, il a l'air vachement gros, ce poisson. Bon, je pense que c'est un poisson classique, mais bon, quand même. Bâtard. Voilà. J'aime pas quand ils font ça, les poissons, parce qu'une fois sur deux, tu relèves la ligne, ils voient et ils s'enfuient. Ce n'est pas pour tout de suite, change les DLC. De quoi qui est pas pour tout de suite? Mais j'ai là, mais j'ai avec cette taille de poisson, à chaque fois je clique et ça chope pas. Toi, t'as des pêches quand j'y jouais, il n'y avait pas tout ça. Je tombais soit sur les pommes, soit sur les cerises. Alors sache qu'il y a toujours eu, depuis le premier Animal Crossing, plusieurs fruits. Oh merci! Oh, trop mignon! Il y a toujours eu plusieurs fruits différents. Vous avez vu le dessin animé Animal Crossing? L'histoire est pas dingue, mais l'ambiance de la ville est très belle. Oui, moi je l'ai vu. Ah oui, c'est avec le DLC. Ouais. Je le ferai pas ce soir. J'ai le concert de Kiki. Et si j'ai 3 étoiles, j'ai les marchands sur l'île de Joe. Oui, c'est ça. Je lui offre ça. C'est quoi, je lui offrai la glace. Je lui offre une glace que j'ai commencé à manger. Là, ça, un cône à la fraise. Merci, c'est gentil. T'imagines pas comme ça me fait plaisir. J'ai mangé le cône à la glace. J'ai mangé le cône, mais c'est pas grave. Le DLC, c'est-à-dire... Il y a un DLC sur Animal Crossing. Ah yes, je suis ami avec lui, oui. En fait, quand tu termines le DLC d'Animal Crossing, tu débloques la possibilité de pouvoir rénover l'intérieur et l'extérieur des maisons des habitants. Comme tu le veux. Ouh, le petit herbe à clochette. Oh, est-ce que vous avez vu comme moi qu'il y a un... Je viens de perdre une bourse de 10 000 clochettes.
Mais oui, oui. Alors, le DLC, littéralement, c'est un DLC où tu fais de la construction. Donc, tu fais de la décoration des maisons de vacances des habitants. Et t'as des bâtiments également que tu peux faire. Donc, une école, un hôpital, une nouvelle boutique de vêtements, un restaurant, un café. Je crois que c'est tout. Une forêt d'arbres à cochette. Dégoûté, elle porte son pull. Genre, il y a un habitant, il lui a offert un pull. Je lui ai dit, tu le portes pas parce qu'il est moche. Et elle l'a quand même porté, j'ai trop le seum. Sur le ADS, on devait offrir des meubles par courrier aux habitants en espérant qu'ils les placent chez eux. Oui. Et si t'avais le malheur de leur offrir un fossile, eh ben, ils plaçaient le fossile chez eux. Il a des puces ? Il a des puces ! Attendez, parce qu'il m'a donné un remède. Non, mais prends-le. Ah, allez. Voilà. Les habitants, ils avaient 15 aquariums et des poissons chez eux. Mais c'est ça. Mais oui, parce que quand les... Alors, en vrai, j'aimais bien ça, cet aspect-là. C'est parce qu'en fait, dans Animal Crossing, quand les habitants te demandaient de pêcher des poissons et tout, et bah du coup, après, ils les ramenaient chez eux. Et ça, ils l'ont pas... Alors, c'était relou, parce qu'en vrai, il y avait trop de poissons. Mais je trouvais ça sympa. Par exemple, l'habitant, il pourrait te demander, genre, tu crois que ça irait bien dans ma décoration de poisson ? Tu lui dis oui, tu dis non, puis si tu dis non, bah, il le met pas, quoi. Une sorte de fruit, et à chaque... On commence à jouer Animal Crossing, je tombais à moi sur la pomme ou la cerise. Jamais l'orange et la pêche. Alors tu vois, moi, c'est l'inverse. Je tombe tout le temps sur orange, pêche ou poire. Et mes deux fruits préférés, c'est la pomme et la cerise. Il faut savoir que quand j'ai commencé à jouer à Animal Crossing, j'ai commencé à jouer, du coup, comme je vous disais, sur New Leaf. Pas New Leaf, sur... Wild World, donc celui sur DS. Avec ma sœur, on était tombé sur les pommes. Et comme on jouait pas en ligne à l'époque, et ben en fait on ne savait pas qu'il y avait d'autres fruits. Et comme on n'allait pas spécialement sur internet pour trouver des astuces sur Animal Crossing, c'est un jour, on avait offert un fruit à un habitant et il nous en a renvoyé un autre. C'est comme ça qu'on a découvert qu'on pouvait avoir d'autres fruits sur Animal Crossing. En plus de la noix de coco qui s'échouait sur la plage. La noix de coco, c'était super chiant. Pour avoir la noix de coco, il fallait qu'elle s'échoue sur la plage et fallait bien la planter. Parce qu'à l'époque, sur le jeu, si tu te trompais d'emplacement sur un arbre, là aujourd'hui, bah, l'arbre il pousse pas, tu le remarques, tu l'enlèves tu le déplaces. Sur les autres Animal Crossing, l'arbre mourait. Il fallait pas te tromper avec le cocotier. Dormir, bonne nuit à tous. Pas de soucis, Hook. De toute façon, on va pas trop tarder à lancer Sisu ma raid, mais j'allais couper le stream, donc on va pas trop tarder. Quand ton premier palmier mourait, moi j'avais envie de mourir aussi. Ah bah, non. J'ai cru que c'était un scorpion. Je vous ai fait un petit tour vite fait de mon île. Je vous montre pas ma maison parce que bah, je l'ai pas faite. La puce, il l'a. Ouais, il l'a. En fait, il faut savoir que quand vous avez une nouvelle créature, un nouveau poisson, votre personnage crie toujours super avant de mettre la blague avec le jeu de mots du poisson ou de l'insecte. Voilà. Si vous l'avez, il vous dit pas super. Donc, combien de temps pour avoir cette île-là actuellement que je suis en train de jouer? On a recommencé notre partie au mois de mars et je la fais que en stream. La puce, elle est là. Elle est où? Là. Et tu vas couper le stream, mais continue. Ah non, là je vais couper le stream, mais après je vais aller manger. J'adorais les portes de la ville aussi avec les deux chiens de garde. Mais oui, qui se trouvaient dans l'eau, elle était plus mystérieuse que maintenant. D'accord, ça manque. En fait, j'aime bien l'idée de l'île, mais j'espère que le prochain Animal Crossing, on repartira sur un principe de village. Vraiment, le concept de l'île, c'était très cool. Mais moi, le concept du village, ça me manque trop. Je veux un concept de village où je peux rénover aussi. Où je peux tout construire et tout comme je veux. Un défi. Vas-y, mais je vais couper le stream, mais pourquoi pas. Là. Il y a mon chat qui est en train de s'énerver. Menu japonais. Ok.
Y'a que moi qui ai un souci de mauvaise herbe. Oui, bah rien. Carrément. Alors. Tu attrapes une tarentule en 3 minutes. Bah en fait, ça va pas être possible. Je t'explique pourquoi. C'est plus la saison des tarentules. C'est la saison des scorpions. Donc malheureusement, ça ne sera pas possible. Oh. Moi je l'ai vu. Parfait. Et tiens, je vais me coucher. Pas de soucis, Thaïs. Pas de soucis, pas de soucis. Alors je vais décliner ton défi. Je pense qu'on n'aura pas de scorpion. Mais cela, je vais vous laisser. Là, je commence à fatiguer. Puis j'ai faim surtout. Y'a personne qui craft, quoique vu l'heure qu'il est, c'est pas étonnant. La maison ici elle est éteinte, là-bas c'était Viviane mais elle craftait pas, et y'a pas de maison à droite. Ah mais si, attends, on n'a pas été voir. C'est forcément c'est lui, forcément c'est notre amour de toujours, c'est notre habitant préféré. C'est Abraham. Ben bien sûr que c'était lui. Avec le délaissé j'ai refait sa maison. Vous avez vu comment j'ai fait sa maison ultra chaleureuse? J'aime trop sa maison. L'autre conserve de légumes. Et bon, ça va, je connaissais pas la recette. Quelqu'un a la recette des bretzels en double, je suis intéressé. Alors, sur cette île-là, je l'ai pas, mais si tu veux, je pourrais regarder sur mon île perso. Vraiment, j'aime trop ça. Hop. Allez, je vais regarder chez qui je vais pouvoir vous envoyer. On va sauvegarder, puis là, j'ai faim. J'avais prévu de faire des trucs après le stream ou pas? Bon, des fois, je regarde ma to-do list. Ah, je peux pas le faire ça non plus. Ah oui. Ça, je le fais demain en rentrant du boulot. Non, c'est bon. Sur le Discord. C'était pas, je suis au bout de ma vie avec ces bretzels. C'est quoi, c'est les derniers qui te manquent? Mais je vais, si tu veux, je regarderai si je les ai. Alors, ouais, il y a qui est en train de streamer chez les copains. Alors, à ce soir-là, je sais pas trop, il y a qui est encore en train de streamer. Bon, on a Jules. Cassiel. Oh, Cassiel, elle est encore là? Non, Red Cassiel, c'est un peu notre... un peu notre... comment ça s'appelle? On aurait toujours Cassiel le mercredi. J'ai des plans en double chez moi, je sais plus lesquels. Coucou à toi, Delorik, d'ailleurs. Quand j'aurai le temps de lancer le jeu, je penserai à vous et je vous dirai ce que j'ai pour voir si ça peut intéresser des gens. Bah, n'hésitez pas, sur mon Discord, il y a un channel Animal Crossing, donc si jamais vous voulez faire des échanges d'objets, de recettes, bah, n'hésitez pas. De regarder les applis pour voir les to-do listes sophistiquées. Ouais, faut que je regarde ça. Je suis d'accord. Et bah écoutez, en tout cas, je voulais vous remercier encore une fois pour ce stream. Ça aurait été, j'aurais passé une très bonne soirée avec vous. Et oui, MH, oui, la chasse a été bonne et elle a été très bonne puisqu'on a capturé un scorpion et le fameux Lumkai. Ah ouais? Ah bah tant pis, je vous envoie chez Cassiel. Pas du coup, Lumkai ce soir, je vous enverrai pas chez elle. Mais du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, j'ai eu le scarabée. Que je cherchais depuis un bout de temps, qui est super chiant à capturer, et du coup bah non, c'est chose faite, donc je suis trop content de l'avoir. Du coup bah, comme je vous disais, on se retrouve du coup normalement demain à partir de 19h30 pour la suite de la rénovation des mondes. On va continuer à rénover les appartements de la ville San Michuno en attendant d'avoir le nouveau pack d'extension Amour Fou la semaine prochaine, puisque à partir du moment où le nouveau pack sortira, sachez que je ferai la rénovation dessus directement. Donc voilà, passez une excellente fin de soirée, reposez-vous bien, et je vous dis à demain. Bye tout le monde. Et je fais pas les navets pour le coup, mais c'est très gentil à toi de proposer. Bye tout le monde.